Bonjour! Ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Tu es beau encore aujourd'hui. Moi, on dirait que j'aime Fait ça beau. ici. Oui, Il il fait fait. beau. Il fait beau, il fait chaud. Mais oui, mais il faut dire qu'il paraît au Canada, il fait très chaud. En ce Oui. moment, là, c'est des 38 degrés. Il ne faut pas se plaindre. Au Québec, quand il fait très chaud, c'est inconfortable parce que c'est très humide et la chaleur est quasiment insupportable. Même si au thermomètre, c'est pas si élevé que ça. Ici, ça peut être plus élevé, mais c'est confortable parce que c'est sec. C'est vraiment mieux, c'est sûr. Qu'est-ce qui dérange ici, là? Mais je l'ai connu pour la première fois. Qu'est-ce que c'est qui dérange ici? Hein? Le Mistral. Ah, le Mistral, oui. Eh oui, j'ai connu ça quand on était chez Roger. Oui, on a Oui, eu c'est du vrai. Mistral, oh, oui, c'est vrai. Oh mon Dieu, qu'il ventait pas mal hein, là-bas. Oh, wow. Ouais. Alors aujourd'hui, donc, on va répondre aux questions. Il y a combien de questions? Il y en a seulement 10, Seulement 10, mais c'est quand mais même beaucoup. on a deux beaux Et reportages. vous, c'est ça, visite de deux membres qu'on va vous mettre donc à la fin de cette vidéo. Mais je peux dire, c'est qui qu'on était voir? Oui, on peut le dire. Ben oui, on était voir la charmante Michelle et on était voir Roger avec sa femme. Oui, c'est ça, Oui. Roger et Monique. Oui, Michelle, elle était de Pontée. Oui, au De Pontet, on est allé au Pontée. Pontet, donc c'est pas loin d'Avignon, c'est dans le Vaucluse, et juste de l'autre côté de la Durance, Oui. Puis on est allé. on a vu le pont d'Avignon. On a vu le pont d'Avignon, on y danse tous en On rond. voulait y danser, mais on n'a pas eu le temps. Donc en dessous de la Durance, donc dans les Bouches-du-Rhône, toujours pas très loin de. Entre Avignon et Saint-Rémy, on est allé voir Roger, et, qui nous a accueillis, Roger et Monique, alors on va vous mettre ça. À la fin de la vidéo. Et la semaine prochaine, nous irons voir Bernard et Patricia. Oui, parce qu'on était les voir en même temps, mais là, ça ferait trop. Oui, ça ferait trop. Ben Oui, 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 oui. ça ferait trop Non, long. on a Donc, eu une surprise parce que aussi, la c'est semaine ça. prochaine, on n'aura pas de visite. Donc, on vous a réservé Bernard et Patricia pour la semaine Oui, prochaine parce qu'on n'aura pas de on a visite. une visite quand on a été voir Bernard, mais on a su que Patricia, elle aussi, Faisait de la faisait la peinture. Voilà, peinture. c'est Fait ça. qu'on a eu deux pour Et un. voilà. Alors, et aussi, alors n'oubliez pas, toujours pareil, qu'il y a des e-books. Et vous savez, dans la description, sous la vidéo, là, il y a toute une liste de liens. Hein. Donc, il y a le nouveau e-book sur les médiums pour l'huile et l'acrylique, tous les médiums. Il y a un e-book sur la peinture à l'huile, la peinture acrylique et le dessin, de total débutant à peintre confirmé. Il y a des cours en vidéo gratuits aussi. Tous les liens se trouvent sous la vidéo, là, dans la description. Alors, les plus habitués les ont déjà téléchargés, en ont profité. Puis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, si vous n'avez pas encore vu ces choses-là, allez-y, servez-vous, c'est gratuit, c'est dans la description, sous la vidéo, et ça nous fait plaisir de vous faire ces petits cadeaux-là. En plus de toutes les vidéos qu'on met tous les mercredis aussi sur cette chaîne YouTube, des vidéos techniques. Et voilà, donc on va commencer les questions tout de suite, c'est bon? Ben Ah non, oui. attends, s'il vous plaît, merci pour les likes, les pouces en haut, hein, c'est important aussi. Oui, puis partager aussi, ça nous aide à progresser et à continuer dans Ben, notre. ça nous motive pour mettre des vidéos gratuitement, comme ça, faire ce travail-là gratuitement sur YouTube, hein, Et puisque. ça nous motive aussi à aller vous voir. Ah oui, Eh oui, ça ben c'est oui. bien. On a déjà parlé, hein, chérie, de On est, ça pour non, mais l'année prochaine, là. on est motivé pour venir Oui. vous voir, ne serait-ce que par le plaisir qu'on a vécu déjà à vous rencontrer. Là, c'est Oui, merveilleux. mais pas, je parle pas l'année prochaine, je pars tout de suite pour les Québécois, là. Oui. Quand on va revenir le 30 septembre, dans le mois d'octobre, on va commencer à vous dire de ceux qui sont intéressés qu'on aille les voir. Fait que, hein, ça va être intéressant pour eux aussi. Oui, absolument oui. On va venir vous voir. On va venir vous voir, vous, les Québécois. Une Québécoise et un Français. Oui, alors là, je prendrai mon fort accent marseillais à ce moment-là. OK, on commence avec Jean-Philippe Cossé. Bonjour Bonjour Jean-Philippe. Jean-Philippe. Il dit, est-ce que la marque de pinceau à huile en poil de cochon, Oui. Génico, est une bonne marque? Gynéco? Oui, Génoco. Génoco, excuse-moi. Génoco? Jean Noco? Génoco. On dirait Jean Noco. Je ne connais pas du tout. Je suis désolé, vraiment. Alors, j'ai même été voir, parce que j'ai vu la question, je suis allé voir sur Internet, et tout ce que j'ai vu, c'est des pinceaux qu'on pouvait trouver éventuellement sur Amazon.fr. J'ai rien vu de vraiment
on va dire, très spécifiques. Comme par exemple, bon, si on me demande comment sont les pinceaux Lascaux, je vais sur Internet, j'ai trouvé le site Lascaux. Et sur le site Lascaux, je vais voir leur gamme de pinceaux, ils parlent de leur fabrication, tout ça, je peux avoir des informations. Mais là, je n'ai rien trouvé sur Internet, sinon des ventes. Des ventes comme ça, alors je ne connais pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé ça. S'il y en a parmi vous qui regardez cette vidéo, les abonnés de la chaîne YouTube qui connaissent ça, les pinceaux Jean Nocco, ben, pouvez nous en parler dans l'espace de commentaires, non pas l'espace, oui, dans l'espace de commentaires qui est sous la vidéo, puis ça nous fera plaisir aussi, ça va m'apprendre quelque chose de plus parce que je ne connais pas ça. Mais oui, mais Jean-Philippe, il savait que tu ne saurais pas, hein, parce qu'il dit, pourrais-tu me dire quelles sont les bonnes marques de pinceaux à l'huile en poil de cochon? Ah ben oui, parce qu'il dit qu'il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques. Hein. Dans cette chaîne YouTube-là, j'ai fait une vidéo le mercredi sur les pinceaux. Justement, les pinceaux pour l'huile et l'acrylique, j'ai fait un comparatif, j'ai fait des tests aussi. Vous allez voir, cherchez cette vidéo. Et si vous arrivez sur cette vidéo, vous allez voir aussi dans la description que vous allez pouvoir télécharger un guide. J'ai fait un guide sur les pinceaux, justement. Alors, ça vaut la peine de revenir en arrière un petit peu. Et vous avez un outil de recherche hein, dans YouTube hein, pour vous trouver la bonne vidéo. Vous tapez comparatif, pinceau, René Milon, et puis c'est sûr que vous allez trouver ça, je suis certain. Okay. excusez, j'ai un chat dans la gorge. Non. Non, tu fais pas mieux que ouf, pour y faire peur. Ah oui. Bon, là c'est pour Christine. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Elle ne trouve pas la vidéo soleil couchant. C'est l'exercice qu'a fait Philippe, là. Oui. Elle aimerait bien le faire elle aussi. Alors, si vous êtes dans la formation La peinture, c'est facile, vous avez un outil de recherche, une loupe hein, sur le côté gauche, vous cliquez dessus. Dans l'espace de recherche, vous marquez soleil. Et vous allez trouver. En fait, le cours s'appelle La plage sous les tropiques. Ça se trouve dans les pas à pas. Et vous avez, donc, dans ce cours-là, la plage sous les tropiques. Vous avez cette plage avec un palmier en plein jour. Je pense que c'est en peinture à l'huile. Et vous avez le coucher de soleil qui est en peinture acrylique. Vous avez les deux médiums dans le même cours. Pour à peu près le même paysage de jour ou de nuit, ou de coucher de soleil, on va dire. Okay. Faudrait que vous le fassiez, puis vous nous le montrez après. Hein? Si vous faites la peinture, mettez-la après dans le groupe de Facebook, là, peinture de René Milon, oui. Tu sais que ça monte le temps, hein? On est quasiment rendu à 15 000 à Facebook. 15 000 membres de ce groupe, et c'est bien, vraiment... C'est ça, je disais, je sais pas si je l'avais dit, oui, je me répète, c'est ça la vieillesse. Oui. Mais que, hey, au mois de septembre l'année passée, on avait hâte d'atteindre 2 000, et là, on est rendu quasiment à 15 000 un an après. Ça va vite, ça fait un peu un effet boule de neige. Oui. Puis surtout en Facebook. Tout le temps, oui. Puis c'est un bon groupe. Oui, très bon groupe. Oups, c'est pas parce que c'est moi qui le dirige, là, mais le monde. C'est incroyable comme les choses sont belles. Et les tableaux qu'il y a là-dedans, c'est très inspirant, c'est très beau. Puis il y en a de toutes sortes, de tous les goûts. Hein? Oui. OK, on continue avec Daline Cap, qui s'appelle Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Linda et René, merci d'avoir répondu à ma question, sûrement de la semaine passée. Elle dit, on est précieux, merci. Vos vidéos sont très instructives. Je rencontre le même problème que M. Philippe sur ma dernière réalisation. Je voulais mettre en avant la couleur orangée d'une falaise en Bretagne. Pour rendre la profondeur, la photo est prise en hauteur. Ah oui. J'ai assombri l'avant-plan, mais vous expliquez que nous devrions utiliser la technique des glaciers. Elle va essayer. Tout de suite, vous avez suggéré des couleurs. Comment savoir quelle couleur utiliser pour quel rendu quand on fait des glacis? Ben oui, le glacis, finalement, c'est l'application d'une couleur en transparence, un peu comme on ferait de l'aquarelle, comme si on mettait un filtre coloré sur une partie du tableau. Et si je mets cette couleur-là, que ce soit du bleu ou de l'orange ou du brun, c'est pour modifier légèrement la teinte actuelle vers cette couleur-là. Alors, comment choisir la bonne couleur? Ben, ça dépend de bien des choses. Ça dépend de la couleur de ce qui est déjà là et de la couleur vers laquelle vous voulez amener cet élément-là. Et pour ce faire, pour bien comprendre ça et bien appliquer la bonne couleur, il faut avoir une bonne connaissance du cercle chromatique, de la roue des couleurs et de la théorie de la couleur. Je vous donne un exemple très simple. Bon, admettons, comme dans le cas de Philippe, sa montagne en arrière, elle était orangée.
Parce que c'est une roche qui est orangée. Mais pour la faire reculer, il faut la rendre plus bleutée, plus grise, moins orangée, plus grise. Donc l'orange, pour la rendre plus grise, on met sa complémentaire c'est le bleu. Vous voyez ? Et donc là, on fait un glacis bleuté et l'orange devient plus gris. Mais l'orange pourrait très bien aussi devenir plus gris, mais aussi trop vert. Par exemple, vous voyez ? Alors trop vert, ça voudrait dire quoi ? Ben, ça voudrait dire que mon orange était plus jaune que rouge. En mettant le bleu, ça devient trop vert. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on laisse sécher. Puis après, on va mettre un glacis rosé, rouge, juste du rouge, transparent. Le rouge est complémentaire du vert. Ça va neutraliser cette teinte verdâtre pour le ramener donc plus gris. Vous voyez ? Ce que je vous explique là, c'est qu'il faut connaître ça, la complémentarité des couleurs dans le cercle chromatique. Il faut connaître cette théorie des couleurs pour lui faire confiance à cette théorie et appliquer les bonnes couleurs de la bonne manière pour obtenir le bon résultat. Et ce bon résultat-là, on va dire qu'on le devine, on le sait que ça va donner ça. On le sait parce que la théorie me dit que ça va le faire. Il faut faire confiance à la théorie. Parce que ça n'est pas vraiment visuel, on ne le voit pas. Parce que ce n'est pas encore là. Il faut faire confiance. Donc c'est très important d'avoir une bonne formation en couleur quand on fait de la peinture. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sûr. Ce n'est pas pour rien que le cours de couleur qui se trouve dans la formation de la peinture, c'est facile. Donc dans la peinture, c'est facile. On a, je ne sais plus combien d'abonnés, 400 abonnés, je pense, là, mensuel ou annuel. Mais à côté de ça, le cours de couleur, il y a plus de 4500 personnes qui l'ont acheté déjà. 4500 personnes qui l'ont. 400 abonnés, on a plus que 400 abonnés dans la formation. 4000 abonnés. 4000 abonnés, pardon. 4000 abonnés et 4500 personnes, en plus des abonnés qui ont acheté ce cours parce qu'ils ne sont pas abonnés, donc ils ne l'ont pas. Ça vaut vraiment la peine. C'est un très, très bon cours et très, très complet, le cours de couleur. Puis, vous pouvez le visionner complètement. Ça va vous apprendre énormément de choses. Comme après, vous pouvez simplement venir le consulter un petit peu comme une encyclopédie en fonction de votre besoin du moment. C'est très bon. Je me rappelle quand tu faisais les ateliers spéciaux pour le cours de couleur, qu'on recevait les membres. Fait aussi les webinaires. Le prochain webinaire sera encore sur la couleur. Oui, à l'acrylique. Quand on dit webinaire, c'est conférence en ligne. Oui. On le fera en acrylique quand on sera retourné au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre qu'on va le faire. À partir de notre bureau, notre studio. Oui, de chez nous. C'est ça. OK, on continue avec Micheline Michaud-Robert. Bonjour Micheline. Elle dit bonjour à vous. Toujours intéressant de vous écouter et d'entendre le beau rire de Linda. Je pense, même moi, que je me regarde comme la semaine passée avec M. Gâteau. Excusez-nous, hein, c'était pas de... On était persuadés que c'était un pseudonyme, mais maintenant c'était votre vrai nom. Mais oui, maintenant c'est vraiment son vrai nom. On ne rit pas de vous. Là, non, mais non. Monsieur. Comme moi, mon nom de famille, c'est Chambereau. Il y en a qui disent Chambabureau. Fait que non. OK, elle dit, il entend le beau rire de Linda et sans oublier le coquin qui est René. Oh, t'es coquin. Je suis pas coquin. Non. Je suis sérieux. Et que de belles visites et de talents. Elle dit bravo à Mercine. Pour le dessin, c'est vrai, son dessin, il est magnifique. Moi, j'ai hâte d'être chez nous et je vais l'encadrer, Martine. Puis une belle ressemblance, mais oui, je ne me rappelais même plus, j'ai couché avec le dessin l'autre soir, en pensant que c'était René. OK, elle a une question. Oui. Peut-on mettre nos toiles à l'extérieur au soleil pour les faire sécher? On m'a dit que non, raison scientifique. Je n'ai rien trouvé sur Internet, votre point de vue à ce niveau, merci. Ça ne serait pas pour le faire sécher, mais plutôt pour le faire bronzer. Il m'a attrapé un coup de soleil. Il faudrait mettre de l'huile 50%. C'est 75, oui, c'est ça. Bientôt, ça va être 100% avec la chaleur. Non, en fait, pourquoi mettre une toile au soleil? Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour accélérer le séchage? Ça ne marchera pas. Le séchage d'une peinture à l'huile est dû à l'oxydation de l'huile de lin au contact de l'oxygène. C'est juste l'oxygène. Donc, une bonne ventilation, c'est mieux que de la mettre au soleil. La mettre au soleil, ça la ferait chauffer. Donc, ça n'est vraiment pas nécessaire. Par contre, le soleil va avoir tendance à modifier un petit peu les couleurs d'une toile. Et ce que faisaient les artistes peintres à l'époque, je l'ai lu, je le sais parce que je l'ai lu. J'espère que c'est vrai, que ce n'est pas des bêtises qui ont été écrites. C'est que pour éviter qu'une peinture
Vous savez, les peintures, les tableaux, lorsqu'ils sont faits, ils ne sont pas accrochés au mur tout de suite et encadrés. Qu'est-ce qu'on fait? Comme chez moi, je le fais aussi. Ils sont mis les uns en avant des autres, posés contre un mur ou dans un bureau. On les voit souvent, même dans les galeries d'art. Vous avez dans une galerie d'art, vous avez des tableaux sur les murs, puis vous allez dans le bureau du directeur, vous allez voir qu'il y a des toiles par terre contre un mur. Et ces toiles qui sont posées les unes devant les autres par terre, elles ne se recouvrent pas entièrement l'une l'autre. Et si vous avez une toile qui dépasse un petit peu en arrière d'une autre, et qu'elle reste comme ça pendant des mois, ben, lorsque vous allez retirer la toile de devant, l'autre en arrière, elle va avoir une marque. Hein, un peu comme une toile qui est restée sur un mur, un tableau qu'on laisse sur un mur pendant des années, on enlève le tableau, il y a encore sa marque sur le mur. Pourquoi? Parce que la peinture du mur a été modifiée, parce qu'à cet endroit-là, le mur a été protégé de la lumière. Ça fera pareil sur les peintures d'artistes. Et pour éviter ça, ce que faisaient les artistes peintres à l'époque, ils les exposaient au soleil un certain temps, une fois qu'elles étaient sèches, pas pour la faire sécher, mais après le séchage, pour que s'il devait y avoir un changement de couleur, il ait lieu sur la toile tout entière et non pas une partie. Voilà. C'était ça le principe, tout simplement. Alors, est-ce qu'on doit la mettre au soleil? Non. Moi, je dirais non, mais il faut faire attention à ça et éviter que des toiles soient posées les unes sur les autres, les unes en avant des autres, et que le soleil vienne frapper dessus parce qu'il passe par la fenêtre, tout simplement. Fait que si le soleil vient frapper sur vos toiles par terre, là, dans votre bureau, dans votre salon ou autre, et qu'il y a une toile en arrière qui dépasse un petit peu, il va y avoir certainement une marque. Oui, faut faire attention. Oui. OK, on continue avec Juliette Parent. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Les visites chez nos collègues sont très instructives. Oui, c'est vrai. Oui, on apprend beaucoup, oui. Oh, oui. Ma première question. J'ai peint une chaîne de montagne qui se rapproche vers le centre du tableau. Je voudrais accentuer la perspective pour la reculer encore. Oui. Quelle technique? Un glacis? Quelle technique? Point d'interrogation. Un glacis? Point d'interrogation. Ou un frottis? Ben, ça peut, la technique n'a pas vraiment d'importance. En fait, voilà, si vous avez une montagne dans le fond, admettons, il y a des rochers, je sais pas, bon, des rochers, de la neige, un endroit qui est dans le soleil, un endroit qui est dans l'ombre, et que vous avez beaucoup de choses comme ça, de détails dessus qui ont été faits, vous pouvez mettre un glacis pour juste changer sa teinte d'une manière générale, et on va continuer à voir tous vos détails à travers. Comme vous pourriez aussi travailler avec un frottis aussi, moi j'aime moins ça, parce que ça va laisser des pigments de manière irrégulière par endroits sur, sur vos montagnes. Ou bien vous prenez un pinceau, de la peinture opaque, et vous refaites votre montagne. En opacité par-dessus, donc ça dépend comment c'est peint, c'est à l'huile ou à l'acrylique? C'est à l'huile, puis elle dit que ce serait la troisième couche de l'huile térébenthine. Ok, c'est pas grave, oui. Conservez toujours la méthode du gras sur maigre, c'est sûr. Vous repeignez une nouvelle couche, que ce soit en opacité ou en glacis, plus gras. Il faut que ce soit plus gras, simplement. L'important, c'est de ramener donc à ces montagnes-là la couleur qu'il faut pour qu'elles reculent, puisque c'est ce que vous souhaitiez, hein, qu'elles reculent, donc... Allez-y avec une teinte légèrement plus bleutée, tout simplement, moins chaude, moins colorée que ce qu'il y aurait aussi. Si vous avez fait des détails, des rochers, de la neige ou autre, rendez-les moins contrastés. Voilà, et là, ça va la reculer. Parce que si vous trouvez que ce n'est pas assez reculé actuellement, c'est que soit la couleur est trop chaude, soit les détails sont trop découpés, trop vifs. Et donc en faisant, mais moi je dirais que l'idéal c'est de faire un glacis. C'est pas mal le mieux, le plus facile, un glacis bleuté. Ça va diminuer un petit peu la force des détails, ça va refroidir la montagne, elle va reculer. Un gris bleuté, alors c'est sûr qu'en ajoutant un petit peu de blanc, ça va opacifier un petit peu votre glacis. Et ça va faire un peu brumeux. Ben, pourquoi on recule? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on recule des montagnes? On en voit beaucoup en ce moment des paysages ici, hein, quand on arrive sur un col là-haut. On voit les montagnes qui s'estompent de plus en plus, puis la dernière, on ne la voit quasiment pas sur le ciel. C'est quasiment la couleur du ciel. Ouais. La dernière là-bas, c'est presque pareil que le ciel. Elle est fondue. Oh, oui, elle est fondue dans plus ça se rapproche de nous, plus ça devient foncé et moins bleuté. On peut le dire, moins bleuté. C'est-à-dire que donc, pour reculer une montagne, on la rend plus bleutée et ça fonctionne. Donc, elle avait une deuxième question. Oui. Entre deux couleurs, comment récupérer un fondu pas assez fondu?
entre une couleur sèche et une fraîche. Faut-il obligatoirement reprendre les deux couleurs? Moi, je dirais oui. Si vous voulez faire un fondu, l'idéal, c'est vraiment de reprendre les deux couleurs, hein, c'est sûr, parce que l'autre méthode serait de mettre un médium. Donc, vous êtes à l'huile. Oui. Donc, votre médium, huile de lin et un petit peu de térébenthine, très, très peu, sur toute la zone à peindre. Donc, c'est tout mouillé. Ça fait penser un peu à du Bob Ross, d'ailleurs, tiens. Et là, vous appliquez la couleur à reprendre sur la partie que vous voulez repeindre de frais. Et vous venez la fondre doucement, qu'elle disparaisse, ça finit en glacis sur la partie, sur la deuxième couleur que vous ne voulez pas reprendre, par exemple. Donc, vous en remplacez qu'une sur deux des deux couleurs, ça fonctionnerait de cette manière-là aussi, mais c'est moins facile. Ça ne donnera certainement pas le meilleur des résultats. Je vous dirais, ça serait à faire, ça, si par exemple, vous avez un très grand tableau, vous avez un très grand fondu à faire et que vous voulez faire juste... Vous voulez pas y passer deux heures dessus. Mais sinon, le mieux, c'est de tout reprendre au complet, cette partie de fondu, de dégradé-là. Et comme je le dis souvent quand je fais des tournages de vidéos, de cours, faut pas avoir peur de revenir, de recommencer quelque chose sur un tableau, parce que c'est une pratique de plus. Ce sont des minutes, des heures en plus de pratique de peinture. Et c'est bon pour vous, c'est bon pour l'acquisition de votre facilité, de votre apprentissage. C'est toujours bon de peindre, de repeindre s'il le faut. C'est pas grave ça. L'essentiel, c'est que après vous ayez un meilleur résultat sur votre tableau, que vous ayez bien sûr pris du plaisir toujours à le faire, et puis d'avoir plus de facilité maintenant parce que vous avez fait ça en plus. Voilà, tout simplement. Puis n'ayez pas peur. Votre tableau, il ne vous mordra pas. Non, mais il faut faire attention aussi. Hein, parce qu'il y en a à l'atelier, je dis ça à l'atelier, puis j'en voyais. Oui. C'est que le tableau, déjà, il était bon en partant, puis il voulait en remettre. Oui, il faut okay. faire attention aussi à ça. Oui, dans la condition où le tableau a besoin de ça aussi. Parce que c'est vrai, comme dit Linda, des fois, il y en a qui voulaient continuer à faire des améliorations, mais alors que le tableau était beau. Il faut bien penser au bon moment aussi à prendre des pauses, se détacher du tableau, le regarder à nouveau, puis techniquement se poser des bonnes questions, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer. Est-ce que c'est vraiment ça qui l'améliorerait, ou si tout se tient, tu sais, au niveau de l'harmonie colorée, la composition, les ombres-lumière, les perspectives, le sujet sort bien. Tu sais, on se pose toujours les mêmes questions que j'ai d'ailleurs listées dans une autre vidéo. Et si tout est parfait, c'est parfait. Il ne faut pas le retravailler pour rien non plus. Hein. Non, parce que vous risquerez de le gâcher. OK, on va continuer avec Christine. Bonjour, Christine. Bonjour, Christine. René. Oui. Toi, non. Oui, oui. René. Oui, moi. René Lucien Milone. Oui. Quand je dis René Lucien Milone, c'est que je suis fâchée. Oh là là. Non, je ne suis pas fâchée. Bon, peut-on faire un même tableau à l'acrylique et à l'huile qu'on peut mélanger à l'eau? Parce que je me suis mise à l'acrylique, mais impossible de donner du relief au nez avec cette peinture qui sèche si vite. Non. OK, continue. Non. Non, on peut surtout pas mélanger de l'huile de l'acrylique. Non. Vous voulez mettre en relief avec une peinture acrylique. C'est vrai, la peinture acrylique, ça fesse. Ça devient plat. Ben, ajoutez du gel, du médium gel acrylique à votre peinture acrylique. Vous allez voir, ça va faire des beaux empattements, des belles épaisseurs. Vous avez du médium gel, vous avez du médium gel épais, du très épais aussi, pour pouvoir faire ça. Alors ne vous gênez pas, allez-y, mettez-en des produits, mais c'est mieux que de mélanger l'huile et l'acrylique. Si vous me prenez, vous parliez d'une huile soluble à l'eau, c'est ça? Une huile qu'on peut mélanger à l'eau. Non, une huile soluble à l'eau ne se mélange qu'avec une peinture à l'huile, pas avec une acrylique. Ça ne marchera pas, ça ne va pas du tout ensemble. C'est comme si on mettait de l'huile avec de la peinture à l'huile avec de la peinture acrylique. Voilà. Ça fait une drôle de mayonnaise. Vous allez voir que ça devient comme impossible à travailler avec. Ah ouais. Et puis ça risque, ça va se détacher sur la toile, ça va se décoller, ça va faire des craquements. C'est vraiment pas fait pour ça, non. C'est pas conseillé. Non, pas du tout. OK, on continue avec Roland Tétro. Bonjour Roland. Bonjour Roland. Ben, elle vient d'avoir toute une surprise, s'appelle Roland. Ah? Parce qu'il y a 8 ans, elle a acheté un pot de gesso qu'elle n'a jamais réouvert par la suite. Mais je m'en ai servi il y a 8 ans. Ça veut dire qu'au début. Aujourd'hui, je l'ouvre car je veux faire l'essai d'une toile qui n'est vraiment pas à mon goût. Et surprise,
il y a de la moisissure noire. Et oui. Tout autour du couvert, et cela, et ça, oh mon Dieu, un matin. Et faut dire qu'on est le matin, je suis pas réveillée, je pense. Et ça semble noirci aussi jusqu'au niveau de là, où il y a de la peinture. Oh, oui, oui, oui. Elle demande, est-ce que c'est nocif? Oui, sûrement. Moi, j'y toucherai pas. Je mettrai ça aux poubelles tout de suite. Ben, c'est ça. Je vais jeter ma nourriture. La peinture acrylique, moisit facilement si on la laisse à l'air libre, qu'elle a pas séché avec de l'eau. Voilà. Je me rappelle, j'avais une, ben, ma palette humide. La palette humide qu'on utilise pour la peinture acrylique, je l'avais gardée un peu trop longtemps, puis sans l'avoir nettoyée. Okay. Puis quand j'ai ouvert, il y avait du moisi. Même mon éponge avait été percée par le moisi. J'ai tout mis à la poubelle, sauf la boîte en plastique que j'ai pu nettoyer, mais le papier, l'éponge à la poubelle. Donc le plastique se nettoie, bien sûr. Puis j'ai racheté l'éponge et tout ça, j'ai réutilisé. Mais non, la peinture acrylique, c'est un peu comme du... Les peintures pour murs, vous savez, vous avez un mur chez vous là qui a été peint avec une peinture pour mur qui est à l'acrylique et vous avez une petite inondation, un petit dégât d'eau, il y a de la moisissure en bas, il faut tout enlever. Hein. Mmh. Le plâtre, le tout, mais ça fait penser un peu à du plâtre aussi, le gesso, c'est de l'acré le gesso. Hein. Mmh. C'est de l'acré avec un médium acrylique. Mmh. Moi je jetterai tout, je ferai attention, même pas le respirer. Ah, ben c'est bien ça. C'est des champignons, c'est des moisissures. Parce que j'ai beaucoup de moisissures dans le frigidaire. Là, ça, c'est, non, ça, c'est du fromage bleu, là. Tu ne touches pas à ça. Parce que chez nous. La fourme d'Ambert, le bleu d'Auvergne, le roquefort. Non, touche pas à ça. On est à la maison, puis je vois un fromage qui est moisi. Je jette. Non. Pas les fromages, ça, c'est de la matière vivante, ça. Oui, OK. Ça aide beaucoup ouais, à la flore intestinale, tout ça aussi, ouais. Ah, ça. OK. Je vais le garder. OK, on continue avec Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, Luc. Pourriez-vous m'indiquer si je peux peindre un tableau avec un mélange d'essence de pétrole et de vernis brillant pour peinture à l'huile? Et si oui, dans quelle proportion de dilution? Faut-il respecter la règle de Grasse-Sommeil? Alors, oui, toujours respecter la règle de Grasse-Sommeil, mais non, ne pas peindre avec juste d'essence et de vernis uniquement, non. Non, ça serait trop cicatif. On ne peint pas avec ça. À ce moment-là, un vernis brillant, c'est fait pour vernir. On ne va pas peindre avec. Si on le dilue, ça va nous faire un vernis moins brillant, un peu plus mat, quelque chose qui va... Ça va sécher par évaporation beaucoup, beaucoup trop vite. Ça peut générer des problèmes d'adhérence de la peinture au support. Ça n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Le vernis, on va l'ajouter à notre mélange d'huile et diluant en peinture. Donc là, vous faites votre mélange 25% d'huile, 75% de diluant pour une première couche, 50-50 la deuxième couche, 75 d'huile et 25 de diluant pour la troisième couche. Et à ces trois mélanges-là, vous pouvez rajouter quelques gouttes de vernis, un petit peu. Je ne dépasserai jamais, un quart de la quantité du médium qui est préparé avant. Je ne mettrai jamais plus qu'un quart de vernis. Et encore, là, je dis ça sans le lire officiellement sur quelque chose, sur un papier, mais de mémoire, ce que je me souviens... dans le livre à la prima de Richard Schmidt, il donnait ses recettes de médium, et donc c'était à peu près ce que je vous ai dit là, sauf que son vernis à lui, c'était du vernis d'Amar, spécifiquement vernis d'Amar, et le quart de quantité, je pense même pas qu'il y avait un quart, je me souviens plus. On va y aller avec un quart, mais j'ai pas de certitude. Si quelqu'un a lu le livre de Richard Schmidt à la prima, ou si vous l'avez chez vous, ou peut-être on peut faire une recherche sur Internet, vous marquez médium Richard Schmidt, painting médium Richard Schmidt, je pense que vous allez trouver la recette, parce que d'autres artistes peintres américains l'utilisent, sa recette, et la diffusent aussi un petit peu sur leur site et leur blog Internet. Voilà. OK, on va continuer avec Philippe Giverneau. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Lui, il pose la question sur les quatre techniques pour débuter une peinture à l'huile. Oui. OK. Il dit, afin de bien saisir la technique 3, par tâche, qui me semble la plus intéressante artistiquement, Dieu, serait-il possible de réaliser un tuto? Le fait de ne pas dessiner le sujet au préalable peut sembler une gageure pour un débutant.
Néanmoins, très stimulant, je trouve, cette superbe petite cabane en pierre se prêterait parfaitement à ce genre d'exercice. Oui. Je pense que, comme ça, sans certitude, qu'il y en a une vidéo dans YouTube où je fais, je pense que c'est une grange ou un pan couvert, je ne m'en rappelle plus, rouge, un paysage. Et c'est un mélange, si vous voulez, c'est un mélange de la technique 3 et de la technique 4. Ah oui? Oui, parce que je commence par faire mon ciel. Regardez, cherchez dans mes vidéos, dans les vidéos du mercredi, ça va remonter loin, ça. Ouf, peut-être il y a 6 mois de ça. Je fais le ciel, je fais la forêt, je fais tout mon avant-plan, donc une première couche très diluée. Là. Et après ça, je prends mon couteau et je gratte ma peinture pour faire réapparaître la lumière, si vous voulez, pour dessiner ma grange ou mon pont couvert, je ne me souviens plus. Puis là, je repars après avec mes rouges, tout ça. Donc cette méthode-là, c'est sûr et certain que je l'ai déjà montrée. Peut-être pas en l'expliquant de telle manière-là, de cette manière-là, mais je l'ai au moins utilisée. Mais ça, c'est la méthode que moi, j'utilise le plus souvent quand je fais de la peinture, sur le motif dehors, là. C'est vraiment cette méthode-là. Et sûrement que oui, je vais faire peut-être pas un tuto spécifique sur la méthode, mais lors d'une démo, là, ça va fonctionner avec cette façon-là. D'ailleurs, il faudrait que je revienne encore en arrière sur les vidéos pour voir, mais je suis certain que je l'ai déjà montré aussi dans d'autres vidéos. Mmh. Oui, il faudrait revenir en arrière. OK. On continue avec la dernière question, mais elle en a deux. Oui. Elle s'appelle, ou il s'appelle La magie pour tout le monde. Bonjour, La magie pour tout le monde. OK, la première. C'est un bon nom, oui, ouais, un beau pseudonyme. La première. Bonjour René. Est-ce que je peux peindre avec du papier classique ou existe-t-il du papier exprès? Alors la question est, on va dire, très générale, parce qu'on ne sait pas si on parle d'aquarelle, d'huile ou d'acrylique, mais dans tous les cas, ne jamais peindre sur un papier classique. Un papier à dessin, un papier d'imprimante, quoi. Que ce soit pour... Ça. Oui, c'est ça. Pour de l'aquarelle, il faut prendre un papier pour l'aquarelle, un support pour l'aquarelle. Alors, il y en a plusieurs, papier pour aquarelle, papier multimédia sur lequel on peut faire de l'aquarelle. Il y a des toiles aussi préparées d'avance pour l'aquarelle. Si c'est la peinture à l'huile, on peut peindre sur du papier vraiment spécial pour la peinture à l'huile et l'acrylique, c'est le même. Donc, ce sont plus des feuilles de papier qu'on dirait de la toile. C'est même pas du vrai tissu, hein, je pense pas. Je pense que c'est pressé comme ça, c'est un motif pressé. Et on en voit de différentes épaisseurs aussi. Alors justement, dernièrement, je me souviens plus, c'est chez qui qu'on a vu ça, où le papier, ben c'est ça, c'est Patricia. Ah oui. Elle peignait, elle avait, on va le voir sur la vidéo, elle a une la semaine prochaine, un tableau qui est travaillé en acrylique sur une planche. Il est posé sur la planche avec des pastilles du papier, on va dire de l'adhésif double face en dessous. Et justement, j'ai dit, ah ben, c'est quoi, c'est de la vraie toile? Elle a dit, non, ça vient d'un bloc. Elle a arraché sa feuille d'un bloc pour le mettre là, peindre dessus. Donc, c'est des feuilles qui viennent dans un bloc et c'était vraiment épais comme comme de la vraie toile. Alors que moi, à la maison, j'ai aussi des blocs de feuilles de toile pour l'huile ou l'acrylique, mais c'est très mince, très fin. Et je ne sais plus qui m'en avait parlé aussi, justement, qui peignait là-dessus, ouais, qui disait, ça gondole beaucoup. Ça gondole beaucoup. C'est vrai que... celui qu'on a vu chez Patricia, il risque pas de gondoler celui-là. Donc, il doit exister plusieurs épaisseurs, plusieurs sortes. Mais le papier, il faut toujours qu'il soit traité, hein, c'est sûr. Hein. Mais vous pourriez prendre du carton, du Bristol aussi pour peindre dessus, mais il faut le traiter avec du gesso pour le rendre. Parce qu'un papier qui va recevoir de l'huile ou de l'acrylique, il faut qu'il soit imperméable. Il faut vraiment qu'il soit traité d'un après imperméable comme le gesso. OK, on finit avec cette dernière question. Ah, il y avait deux questions. Oui, René... Ah, ben si j'avais su, j'aurais été plus rapide. René, pouvez-vous me dire quelle marque de peinture tu utilises habituellement? Habituellement, j'utilise, ben, j'en ai beaucoup parlé, moi, celle que je préfère en peinture acrylique, c'est la Golden. Et attention, pas la Golden Open, la Golden normale. Et en peinture à l'huile, ma préférée, celle que j'utilise, c'est la Gamblin. Et attention, pas la Gamblin Fast Mate, mais la Gamblin normale, la Gamblin peinture à l'huile extra fine, à l'alcali, alors que la Golden, c'est de la peinture aussi extra fine, haute viscosité. Voilà, ça, ce sont mes deux peintures préférées. Maintenant, si on parle d'aquarelle, j'en fais pas beaucoup. L'aquarelle, j'ai un kit de voyage qui est de Winsor & Newton. Sinon...
j'utilise des tubes de peinture aquarelle, donc c'est mélangé, ça peut être du Sennelier, de Winsor & Newton, j'ai un petit peu toutes les marques, je pense. Mais dans les tubes, là, c'est normal, ouais. Je pose la question, je ne les ai jamais vus. C'est quoi? C'est la peinture? C'est la peinture aquarelle, mais elle est liquide. Ah, elle est liquide, l'eau oui. est toute mélangée dedans, déjà? Ben, c'est pas de l'eau, c'est de la gomme arabique. OK. Et lorsque tu la mets sur ta palette, tu peux t'en servir, donc avec de l'eau, tu vas la diluer. Ah, OK. Mais moi, mettons, j'en mets sur ma palette, et puis je n'ai pas tout utilisé, je le laisse là, tu le laisses sécher. OK. Okay. Puis ça devient comme des pastilles, après. Ah, OK. Tu vas la diluer, toujours avec de l'eau. OK. Oui. Ah. D'ailleurs, je me pose une question. Oh oui, d'ailleurs, j'ai acheté aussi de la peinture aquarelle. Mon Dieu. Alors là, j'ai un trou pour la marque. C'est une des meilleures. Là, il faudrait que j'ai un trou. Hein? Ouais, ouais. Une des meilleures marques de peinture aquarelle. Hein, vous la connaissez. Et j'ai acheté donc des tubes et des boîtes. Ils vendent des boîtes vides de pastilles qui sont vides à remplir. Et donc, tu mets tes tubes dedans. Ça te permet de la laisser durcir comme ça. Et puis, c'est des petites boîtes à couvert qui sont très bien aussi pour emporter en voyage. Mm-hmm. Et donc, ça permet d'avoir ta bonne peinture de très bonne qualité aquarelle. T'as acheté un tube, mais tu peux aussi te fabriquer tes propres pastilles avec. Ah, ben c'est bien. Ouais. Fait qu'on est fini. C'est fini pour les questions? Oui, oui, oui. Alors, on va passer au plus beau, le plus intéressant mais maintenant. Attends, je vais leur dire. Ah, oui. Bon. Je parle tout le temps. Moi, je parle parce que je suis obligée de te poser des questions, mais à part de ça, je parle pas. OK. Je voulais vous dire que mardi, on a eu une très, très belle sortie. Où est-ce qu'on a été? Aux affaires de lumière, là, comment ça s'appelle? On était voir Cézanne. Oui, mardi, on est allé au Beau-de-Provence, dans les carrières de lumière. Ah, allez voir si vous ne l'avez jamais vu, là, c'est super. Il y en a qui nous ont demandé dans Facebook comment c'était l'exposition. On ne parle pas d'une exposition, mais d'un spectacle. Ah, c'est vraiment un spectacle parce que les œuvres, il y a Cézanne au début, puis Kandinsky après. Et Kandinsky se prête aussi très, très bien à ce spectacle. Les œuvres, les tableaux ont été, on va dire, décomposés. Les éléments ont été séparés des œuvres, des tableaux. Et puis, ils les ont animés. Ouais. Ce sont des animations pour reconstituer les tableaux comme ça, avec, bien entendu, des belles musiques. Ouais. L'effet est grandiose parce que les salles sont immenses. Hein. C'est spécial. Ah oui, à un moment donné... C'était émouvant, je dirais même. On voit les fleurs comme ça. Puis on dirait que c'est comme un genre de feu d'artifice. Un feu d'artifice fleurs de Cézanne. Ah oui, c'est très beau. Ouais. Je pense que c'est le meilleur. On avait été au Canada. On avait été au Canada, On avait été voir Van Gogh. Van Gogh, oui. Okay. Oui, oui. C'était beau. C'était très beau, oui, oui. Mais aussi. Pas comme là. Allez voir ça. Oui. Il faut aller au Beau-de-Provence. Oui. Oui. À un moment donné, je ferai un petit montage vidéo de ce que nous avons vu au Beau-de-Provence, mais ça ne sera pas le spectacle, ça sera juste pour vous donner un aperçu. Hein. Oui, oui, oui. Un petit truc rapide de plusieurs scènes comme ça, juste, ça va vous donner juste envie d'y aller. Ah, c'est on ne vous montrera pas le spectacle, de toute façon, on n'a pas tout filmé, on a juste fait des petites vidéos de temps en temps comme ça pour justement pour le montrer. Pour que vous en profitez, ceux qui sont au Canada. Bon, pour que vous ayez envie d'y aller. Oui, mais non, mais ceux qui sont au Canada, ils peuvent pas le voir. Oui, je suis certain que ça va faire une tournée, ça. Je pense que c'est prévu qu'ils le fassent aussi dans les mêmes entrepôts qu'ils avaient fait Van Gogh. Ah oui? Oui, je pense bien, oui. Oui, mais ce ne serait pas beau comme ces recherches. Ah, c'est jamais pareil que dans les carrières de lumière. Oui, là-bas, c'est des toiles. Oui, c'est beau. OK, mais... ça, le lieu est vraiment propice aussi par rapport à l'acoustique pour la musique. J'aurais pensé que ça allait résonner, ben non, pas du tout. Il n'y avait pas de résonance là-dedans, c'était vraiment bien. Ouais. Oui. C'était magnifique. Donc, on s'en va voir qui? Alors, on va faire le tour. On va aller voir Michel et Roger. On va voir Michel Auponté. Michel Auponté, puis Roger à Cabane. Ah oui, il a lancé la cabane au Canada, Roger. Et puis, on se retrouve de suite après. Alors, on est arrivé maintenant donc, chez Michel, près d'Avignon. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et donc Michel est fidèle élève de La Peinture C'est Facile, puis abonné YouTube, membre du groupe sur Facebook aussi. Moi aussi. Et c'est merveilleux. Donc, on regarde toutes les niaiseries qu'on fait. Voilà, c'est ça. Donc on se connaît bien. Oui. C'est la première fois qu'on se voit en chair et en os, mais on se connaît bien. Et voilà, donc on est chez Michel qui fait de la peinture à l'huile. À l'huile, exact.
Et donc, on va voir un petit peu les tableaux, on va regarder un petit peu tout ça. Comment est-ce que vous installez pour peindre? Déjà, comment est-ce que vous installez pour peindre? Ça se passe comment quand vous faites de la peinture ici? Il est où votre studio? Il est ici. Ah, il est ici. Dans le salon, dans la pièce principale de vie. Alors, vous voyez, on n'a pas toujours la possibilité tous d'avoir une pièce, comme moi j'ai la chance d'avoir ma pièce à moi, pour faire mes tableaux, pour faire mes tournages et tout. Linda, elle n'a rien. Elle le fait où elle peut, quand elle peut. Et donc, Michel est ici dans le salon, donc c'est ça. Il faut s'installer, se désinstaller, se réinstaller, se redésinstaller, ce qui n'est pas l'idéal, mais c'est faisable aussi. Mais ça se fait quand même. Ça n'empêche pas de prendre du plaisir. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, puis c'est quoi alors le matériel? On va regarder un petit peu le... Alors, comment on fait pour s'installer dans cette pièce? Quand même, la chance d'avoir une grande table. Oui. Je peux mettre en rallonge, une nappe bien transparente que je peux salir aussi. Oui, une nappe en plastique. Et voilà, je peins là, en général. Super. Et c'est quoi ce sac bleu? On peut regarder, on peut voir? Oui. Oui. Michel fait de la peinture à l'huile, on découvre tout ça. On va regarder le matériel, c'est intéressant. Moi, j'aime ça, voir le matériel qui est utilisé, parce que des fois, ça donne des idées, déjà, à des personnes qui n'utilisent pas ça, qui disent « Ah, ben tiens, c'est bien ça, je pourrais l'utiliser aussi. » Puis, on voit un peu ce qu'il existe aussi, qui est souvent différent d'une personne à l'autre, hein, comme moi. Je n'ai pas ces peintures-là, oui. Donc, du PBO... en 200 millilitres, j'en ai aussi. J'ai souvent la Winton aussi. Et puis là, je vois donc il y a du Georgian, le Frambourgeois. C'est vraiment bon. C'est des bonnes peintures, ça. C'est des fines peintures à l'huile pour artistes. Ouais. Ça, c'est bien là, les peintures, les 200 millilitres. Surtout par exemple pour le blanc de titane, tout ça. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'à un moment donné, personnellement, les tubes ils vieillissent parce qu'on s'en sert quand même pas tout. Le blanc, le jaune, ok, peut-être les deux couleurs qu'on va passer le plus. Mais après ça, pour d'autres, des fois, à un moment donné, on se retrouve avec beaucoup d'huile autour du bouchon. Oui, ça, c'est que j'utilise un peu plus ça, mais ce rouge, jamais. Ah oui. Je l'ai acheté parce que voilà, je me suis dit qu'il en fallait, mais j'utilise beaucoup ce rouge-là. Le rouge primaire, ok, il est assez rosé. Ça, c'est super, le rouge primaire, pour faire des exercices, tout ça. Mais à un moment donné, il va être très utile aussi. On va voir ça. Cramoisi d'alizarine, qu'on utilise le plus souvent, je pense, d'ailleurs. Après, il faut bien sûr un rouge plus vif aussi, peut-être, pour les... c'est ça, rouge cadmium clair. Non, ça, c'est un rouge cadmium foncé. Oui. Ah, mais donc, pour faire des oranges ou autre, tu sais, c'est... Ouais. Je sais pas si le clair... Oui, c'est ça, rouge cadmium... imitation rouge cadmium. Alors rouge cadmium, il n'y a pas marqué clair, il n'y a pas marqué foncé, donc c'est le rouge cadmium moyen qu'on peut dire. D'accord. Il n'est pas indiqué ni clair ni foncé, donc il est marqué foncé ou il est marqué clair ou il n'y a rien d'indiqué, donc c'est le moyen. Mais il est bon, c'est bon aussi, admettons, avec le jaune pour faire des oranges. Oui, parce que le cramoisi d'alizarine avec du jaune, ça nous fait un orange terne, parce que le cramoisi, c'est un mélange aussi. Si on prend le jaune de cadmium, comme ici, jaune de cadmium, il n'y a pas marqué clair. Non, il n'y a pas marqué s'il est clair, mais c'est, il doit être moyen, d'après ce que je vois, ce qui dépasse ici. Alors, le magenta, oui. Le rouge primaire, magenta, ça c'est vraiment le rouge idéal si on veut faire des beaux violets, des violets vifs. À ce moment-là, on va prendre le bleu outre-mer et le magenta, on va avoir des super beaux violets qu'on ne pourrait pas avoir avec le cramoisi d'alizarine. D'accord. C'est sûr. Si on prend, ça c'est de l'outre-mer aussi, du bleu, ça c'est le bleu de Prusse. Alors bleu de Prusse avec le primaire, ça va faire un beau violet aussi, mais moins qu'avec l'outre-mer. En bleu, j'ai du bleu... Cérulien. Cérulien. Oui, c'est bon. Cérulien, c'est comme du bleu primaire, du cyan ou du phtalo mélangé à du blanc aussi. Ouais. Ouais, ah voilà, phtalo aussi, le bleu phtalo, c'est peut-être le plus, on va dire, le bleu le plus vif. D'accord. Le plus beau, lorsqu'on y met un petit peu de blanc dedans légèrement. Ah, moi j'aime bien, c'est le cobalt, pour faire les cils. Oui, cobalt aussi, oui.
Alors, imitation, toujours, ça c'est sûr. Parce que tous les cobalts sont cancérigènes. Alors, quand c'est des imitations, non. C'est ça qui est bien d'avoir des imitations. Et là, je vois le verre de Hooker. Celui-là aussi. Je viens de l'acheter. Ah, j'allais dire, on s'en sert pas beaucoup. Hein. Ben non, j'ai fait mes verres. Ah ouais, 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 on les fait souvent. Mais verre de Hooker aussi, je l'ai. Il est bon. Mais c'est un verre qu'on pourrait obtenir facilement avec des mélanges. Le seul verre que j'utilise vraiment dans ma palette, c'est le verre phtalo. Parce que lui, on ne peut pas l'imiter vraiment. Peut-être avec un bleu phtalo et un jaune citron, à la limite, mais même on n'aura jamais la vivacité du verre phtalo. Belle palette, alors on va dire comme ça, blanc de titane, jaune cadmium, rouge cadmium moyen, cramoisi d'alizarine, ça c'est les palettes que j'aime. L'ocre jaune, très bon aussi, la terre d'ombre brûlée, le vert de Hooker, je les mets dans l'ordre, c'est le bleu phtalo, il est où ici, bleu phtalo, il est marqué bleu phtalo primaire, c'est vrai que de toute façon, le bleu primaire, c'est le cyan, il le fabrique avec du phtalo et un peu de blanc. Donc le cérulien, il pourrait être ici en même temps que le phtalo, c'est du cérulien, c'est ça, c'est du... C'est toujours imitation aussi. C'est du phtalo avec du blanc. Si c'était un vrai cérulien, il coûterait une fortune. Oui. Et on le trouve que dans les extra fines. C'est un des pigments les plus chers avec le vermillon. Bleu cobalt, il viendrait ici. Ensuite de ça, on aurait le bleu outre-mer. Voilà. Ah, le bleu de Prusse. Tiens, le bleu de Prusse, moi je le mettrais entre le phtalo et le cobalt. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec... par exemple, entre les quatre bleus, 1, 2, 3, 4 bleus, phtalo, prusse, cobalt et outre-mer. Ça me fait penser à une question qu'on a eue samedi passé dans les questions, la personne qui disait, qui parlait de saturation des couleurs, ça serait bien d'avoir une course sur la saturation des couleurs. Je ne sais pas si c'est dans la même question, une autre qui disait, ça serait bien aussi qu'on sache, par exemple, sur le cercle chromatique, où placer tel bleu, tel vert, tel rouge? Est-ce que c'est plus chaud? Est-ce que ce rouge est plus orangé ou plus violacé? Ces choses-là, ça fait un peu penser à ça. Donc moi, je les ai placés comme ça, du bleu le plus vert au bleu le plus violet. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, surtout les débutants, c'est pas évident de le trouver comme là. J'ai mis le rouge le plus orangé et le rouge le plus violacé ici. Mais c'est bon, c'est des couleurs... Bon, c'est ce que j'utilise moi aussi, c'est belle palette. Après, moi, je fais les essais, puis je vois lequel est le plus rouge, lequel est le plus vert, et je perds un temps fou pour savoir quel est le bleu exact qui me tourne. Et voilà, c'est ça, c'est... Dans mes pinceaux. La perte de temps, qui n'est pas une perte de temps, c'est un gain de... Comment t'appelles ça? D'expérience. D'expérience, voilà, c'est ça qui va nous permettre de savoir. Oui, pinceau, alors on a du synthétique ici, et le soie de porc. En peignant à l'huile, c'est bon. Hein. Soie de porc, synthétique, ça va très bien. J'aime pas. Hein. J'ai du mal avec la soie de porc. Moi, j'aime le synthétique. Oui. C'est plus doux, je trouve. Hein. Oui, ben oui. Alors, le synthétique, c'est bien pour la première couche. Parce que la toile, lorsqu'elle est neuve, elle est très abrasive. Le synthétique pour la deuxième couche. Oui. Je sais pas ce que j'ai dit, oui. Pour la première couche, la soie de porc. Parce que c'est plus solide sur une toile qui est abrasive. Ça va durer plus longtemps. On va moins l'abîmer. Puis on ne fait pas des détails à la première couche. Non. Donc on y va rough, comme on dit en anglais, avec la soie de porc. Puis après, on peut venir avec le synthétique deuxième couche. Et puis là, on fait nos détails. Et vu que la toile a déjà été enduite de peinture, le pinceau s'usera moins. Mais c'est bon, une belle gamme de pinceaux aussi. Et là, j'aime ça, les pinceaux qui sont vieux et usés. Hein? Voilà. Voilà, comme moi. Ça veut dire que ce sont des pinceaux qui ont de l'expérience, ils ont des histoires à raconter. Oui. Celui-là, il est dur jusqu'ici. Oui. Ça veut dire que de l'aviron à la moitié des poils, il a été un petit peu mal nettoyé. Oui. C'est ça qui fait que... Mais si je force, tu vois, il bouge. Oui. Fait qu'il serait... On pourrait rattraper un pinceau qui a durci comme ça en laissant tremper dans du solvant un petit peu plus longtemps. Puis en le renettoyant à nouveau, ça va partir. Parce que la peinture à l'huile, même si ça a séché dans un pinceau, ça va pouvoir se rattraper plus facilement que la peinture acrylique qui, elle, est vraiment dure après. Mais oui, le nettoyage du pinceau...
ce que je préfère le plus. Non, hein. Hein, c'est pas évident. On n'arrive jamais à les récupérer, mais celui-là, voilà, il est dur. Mais bon, c'est bien quand même aussi pour travailler. On peut faire certaines choses avec, mais oui, surtout, bah oui. C'est oui. Comme tu dis, tu te dépêches parfois pour serrer, puis on est pressé ouais, parfois. Pour ranger. Pour ranger. Mmh. Ben ça, donc ça, ça s'appelle le. Sac à peinture. Sac à malice. Voilà. Sac à malice, ben oui, c'est bien, voilà. Donc tout est là. Et le chevalet. Il est là. Le chevalet, c'est ça, chevalet de table. Oui. C'est oui. Pratique, hein. Ah oui. Ben oui, tiens, on va regarder les tableaux. Tiens, on pourrait le laisser celui-là dessus. On va en parler un petit peu. Hein. Ça, c'est celui qui est en cours actuellement. Actuellement, non. Ah non. Quelque temps, mais okay. C'est le ciel orageux. Oui, oui, le ciel orageux, c'est un cours de la formation en ligne. Le pas à pas, oui. Dans le pas à pas, oui, je m'en rappelle oui, pas, ça fait longtemps. C'est le ciel au Mexique. Oui, ça c'était au Mexique, oui, oui, ça je me souviens, mais je me rappelais pas si c'était dans quelle formation, est-ce que c'était dans le Caper ou non. Non, 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 moi j'ai vraiment, la peinture, c'est facile. La peinture, c'est facile, oui, ok, ah oui. C'est facile la peinture? Non, c'est difficile. Allez, ça c'est difficile à faire. Les nuages, là, c'est vraiment difficile à faire, puis ça c'est pas mal. C'est bien. J'aime ça. Moi, j'aime beaucoup les natures mortes. Oui, moi aussi, je commence à apprécier. On dirait que c'est plus facile que les paysages, dans un sens, parce qu'il n'y a pas toutes les textures. On n'a pas autant à travailler les profondeurs aussi. Oui. Hein? Et puis, cela, c'est mort. Ça ne bouge pas. Donc, on peut y travailler longtemps. T'sais, l'important aussi, c'est les effets tridimensionnels, les trois dimensions, les ombres, les lumières. Puis là, ça marche bien, c'est bon. Et ombre, lumière, partout, ombre, lumière. On voit qu'il y a une lumière latérale, un livre fait de l'ombre sur un autre, tout ça. C'est bon, c'est bien. Ça, c'est terminé, mais c'est pas signé, je vois oui. Pas. Oui, aucun de mes tableaux n'est signé. Ah oui. J'ai jamais vu mes tableaux, je ne sais pas pourquoi. Ils ne sont pas vernis non plus. Ah oui. Mais celui-là pour ma fille, donc du coup, je ne sais pas si je vais lui signer. Est-ce que c'est un doute? Est-ce que j'ai fini, pas fini? Oui, ah oui, il y a ça aussi. Ben, c'est sûr que si on veut pousser plus loin encore, on va dire la réussite du tableau, son aspect vraiment terminé, fini, il y a peut-être des choses à faire sur un tableau comme celui-là. Mm-hmm. Des petites choses. Par exemple, ben, c'est des livres. Peut-être simuler des textes ici, là, je ne sais pas, il y en avait du texte, un petit titre, mais quand on fait du texte, c'est petit comme ça, je ne fais pas un texte qu'on le reconnaisse, là, c'est peut-être des petites tâches qui imitent un texte sans vraiment pouvoir le lire. Hein. Et peut-être ici aussi, il y aurait un titre là, des petites choses comme ça, qui donneraient l'impression, ben, tu sais, c'est plus fini. C'est peut-être un tout petit problème de perspective ici. Oui. Ici, il est presque horizontal. Hein? Oui. Et celui-là, il monte beaucoup. Donc, cette arête ici, elle est plus petite et celle-là, elle est plus grande. N'est-ce pas? Alors que ça s'éloigne. Il faudrait qu'elle soit à l'inverse, plus petite, elle est plus grande. Donc, il faudrait juste ça le descendre un petit peu plus à l'horizontale ou bien monter un peu l'un ou l'autre. T'sais? De manière à ce que la perspective. Il pourrait même ne pas y en avoir de perspective quasiment là. Mais là, elle est comme inversée. C'est pour ça que ça fait bizarre. L'autre petite chose, je trouve, peut-être, c'est que entre ce côté et celui-là, j'aurais mis plus d'ombre ou là. Je ne sais pas. Normalement, c'est là, peut-être un peu plus. Oui, l'ombre est à droite, donc un peu plus d'ombre ici. Et ici aussi, un petit peu plus d'ombre, lui, voilà. C'est tout. Qu'est-ce qui fait que ça donnerait plus cet effet trois dimensions? Tu sais, comme ici, on le voit, il est plus foncé, là. Oui. Ça, c'est difficile. Par exemple, ici, ça, c'est le côté dans l'ombre, il est foncé. Ça, c'est le côté dans la lumière, mais il est foncé parce que c'est la couleur du livre qui est foncé. Alors ça, c'est difficile à gérer. Mais là, comme c'est des pages blanches, en foncé. C'est quoi que je voulais dire? Ah oui. Et pour faire ça, vu que tu es à l'huile, ça pourrait être juste du glacis. Ce qui fait qu'avec une couche transparente de gris, un coup là-dessus, toutes les lignes, tout le dessin va rester. Ça ne partira pas. C'est ça qui permet d'apporter des... Comme je dis souvent à la fin d'un tableau, c'est les deux, trois derniers coups de pinceau qui font toute la différence. Ça devient waouh, de suite, beaucoup plus beau. Pourtant, j'ai fait juste ça. Et la difficulté en peinture, c'est de déceler, de trouver ces choses-là. Oui. Hein, c'est vrai. Hein? Moi, c'est facile parce que je le sais, j'ai beaucoup d'habitude, mais c'est sûr que c'est difficile à. Moi, je vois sur certains tableaux, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, mais je ne vais pas savoir. Exactement, c'est ça. Je ne vais pas savoir
ce qui est dérangeant. En fait. Moi, ça m'a fait ça pendant des années. Jusqu'à ce que, quand quelque chose ne me plaît pas, j'essaye... Je vais voir Linda, je lui dis, Linda, qu'est-ce que tu trouves? Non, mais avant d'en arriver là, avant, je me pose des questions techniques, c'est-à-dire que le problème, il est là, c'est que on a trop d'émotions et puis on y va avec l'émotion. J'aime ça, j'aime pas ça, je trouve que c'est pas beau, il y a quelque chose qui me plaît pas. Et là, on est toujours sur l'émotion, mais pour savoir ce qui fonctionne pas, il faut... Enlever l'émotion. En fait. Faudrait se dire, ah, c'est pas mon tableau, je l'ai pas peint, j'arrive chez quelqu'un, il me montre son tableau, puis je devrais le critiquer. Et là, j'y vais avec le côté technique. Oui. Alors, est-ce que les perspectives sont bonnes? Les ombres et lumières, surtout les ombres et lumières, c'est ce qui fait la beauté dans un tableau. Et ici, j'ai un côté gauche et un côté droit. Ici, j'ai une arête. Hein? On sait que les ombres sont à droite, donc je devrais avoir plus d'ombre. On voit que c'est plus foncé que le dessus, il y en a de l'ombre. Mais pas suffisant, oui. Comme je le dis souvent, ah oui, il ne faut pas avoir peur de booster les ombres, les rendre plus foncées, et de suite, la lumière apparaît. Eh bien, peut-être c'est ça. Alors, pour qu'un tableau, une nature morte surtout, ait cet effet tridimensionnel très fort, très puissant, ça donne l'impression qu'on pourrait prendre le livre et le toucher, il ne faut pas hésiter à mettre les ombres dans la pénombre. Et la lumière va apparaître. Ça va être lumineux beaucoup plus parce que simplement, ça, c'est plus foncé. Et ça, c'est plus foncé. Sans y toucher, ça va devenir lumineux. Ça, c'est une idée lumineuse. Non, mais c'est tout simple, c'est ça. Et puis, il faut le savoir. Faut y penser, puis c'est pas évident. C'est ça qui est pas évident. Voilà, ça, c'était pour cette critique-là. On fera pas une critique comme ça à tous les tableaux, mais moi, j'aime bien parce que c'est assez rare de voir des natures mortes. Hein. On a beaucoup vu des paysages jusqu'à maintenant, puis ça fait quelque chose d'intéressant en plus. Allez, Linda, c'est notre accessoiriste et aussi notre cadreuse. Les tournesols, c'est pas ceux de Van Gogh. Non. Mais ils sont beaux, Je ne sais pas si je peux le dire, là, je dirais qu'ils sont plus beaux que ceux de Van Gogh. Oui. Ils sont plus beaux pourquoi aussi? Parce que Van Gogh, il les faisait, ils étaient tout fanés. Ils étaient complètement... ils récupéraient des vieilles fleurs, je pense, je ne sais pas. Et ouais, celui-là, il est bien. Et les fleurs sont belles aussi. Non, c'est vraiment beau. Alors, oui, beau tableau. Ça, c'est d'après une photo... C'est un dessin. D'après un dessin? D'après un dessin, oui. Il n'y avait pas de couleur, donc? Non. Ah non, donc les couleurs sont inventées. Oui. Et c'est bien, franchement, oui, oui, oui. Alors, j'ai fait. Moi, j'ai mis beaucoup cette prise de vue. Oui. Mais il y avait des couleurs qui me gênaient. Donc, en fait, j'ai refait les mêmes tournesols là-bas. Oui, 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 je l'ai vu, oui. Où j'ai mis un fond qui me plaisait plus. Oui. Mais les tournesols là-bas aussi, je les trouve plus vivants. On va le prendre. Mais le point de vue me plaît moins. Parce qu'en fait, j'ai pris la table, j'ai pas... Oui, je vais expliquer pourquoi. Mais oui, le fond est beau, donc il y a beaucoup de foncé en haut, ça descend un peu plus pâle. Les fleurs ressortent beaucoup, le vase aussi. Ouais, c'est bien. La différence avec celui-là, ben celui-là, les fleurs sont plus grosses. Elles sont plus imposantes, donc c'est vraiment... Ce qui ressort le plus, c'est vraiment les fleurs. Oui. Ici, c'est un petit peu plus ce qu'il y a autour, l'ensemble. Tu sais, on voit des pots avec des espèces de petits cyprès ici. Il y a beaucoup de choses qui... Le vase aussi prend plus d'importance ici parce qu'il est très lumineux. Alors que là, vraiment, le vase est un peu plus effacé. C'est vraiment les fleurs qui prennent le dessus. Donc, vous préférez celui-là? Je préfère ces fleurs. Ces fleurs-là, parce oui. Elles sont plus... Enfin, je les trouve mieux travaillées. Oui, ok. Bon, oui, je vois. Mais regarde. Je préfère l'autre composition, en fait. Les ombres, ici. Les ombres. Tu sais, on parlait des ombres et lumières dans la nature morte, là aussi. Les ombres, ici, qui donnent plus de profondeur. Et voilà. Et ici, il y en a moins. Il y en a moins, oui. Voilà. Si on fonçait un petit peu plus, légèrement, les ombres, ici, là... Ça ramènerait plus de luminosité encore sur le reste des pétales, ça ferait plus beau. Hein? Oui. C'est ça, c'est tout. C'est tout, parce que celui-là, il est vraiment bien. Moi, personnellement, je préfère celui-là. Parce qu'elles prennent plus d'ampleur les fleurs et moins le fond. Un petit truc, une petite erreur.
dans la perspective, et c'est encore la même que pour les livres, c'est que la table ici, elle s'éloigne en s'élargissant. Simplement que il faudrait toujours se dire, là, il faut que ça diminue. C'est-à-dire que cette arête-là doit être plus grande et celle-là plus petite. Si ça, ça part comme ça, ça, il aurait fallu que ça parte un peu plus comme ça. Voilà. Ou bien celui-là un peu plus comme ça, ou bien un petit peu les deux. Et là, ça récupère cette perspective, parce que ça va donner aussi la profondeur dans le tableau. Exactement la même chose ici. Si je tire une ligne droite à l'infini, et ici aussi, ces deux lignes ne se retrouveront jamais. Et il faut qu'elles se retrouvent. Donc là aussi, celle-là, il aurait fallu qu'elle soit plus horizontale, pour qu'à un moment donné, elle vienne rejoindre celle-là. Il faut toujours penser qu'il doit y avoir, il doit y avoir un point de fuite. Et ça, ce sont des, c'est pas des grosses erreurs, mais ça se voit beaucoup. Oui, c'est ce qui saute aux yeux. C'est toujours ce que je fais comme erreur. Tantôt, vous avez dit, j'aime pas la table. Oui. Pourquoi? C'est juste pour ça. C'est juste ça, c'est tout. C'est vraiment pas grand-chose, mais il faut vraiment y faire attention, parce que ça saute aux yeux. Puis, j'aurais aussi, sur celui-là, mis un petit peu plus d'ombre ici à gauche, parce que la lumière est à droite. Et les fleurs font généralement de l'ombre un peu ici. En faisant un peu d'ombre ici, il sera moins vif, moins lumineux. Et ça va refaire ressortir un peu les fleurs encore. Ça va les aider. C'est tout. C'est beau, c'est vraiment bien. Alors ça, c'est bien, c'est super. La profondeur, hein, c'est beau. Les montagnes, ça fait penser au Mont Ventoux un peu. Oui, c'est ça. Mais c'est bien, c'est belle profondeur. Alors ça aussi, ici. C'est bien parce que c'est froid, par rapport à la végétation, elle est refroidie, il y a du bleu, on le voit là-dedans, c'est super. Beau tableau. Et là, il y a un problème de perspective dans le toit aussi. Ben, c'est ce que je cherche. Ouais, je c'est pas si évident, c'est pas tant que ça. Bon, peut-être un petit peu, il aurait fallu que ça, peut-être ça descende un petit peu légèrement ici. T'es? Mais ce côté du mur, il n'est pas trop, trop de côté. On est un peu face à lui. Tu sais, la perspective la plus forte, elle est sur ce côté-là. Puis moi, je la vois un petit peu, la perspective, avec les pierres. Elle aurait pu être un peu plus forte, mais c'est pas grave. Bon, peut-être. Ce qui fait que la perspective paraît moins bonne, peut-être, c'est que, voilà, cette fenêtre-là, ce côté, qui est plus loin que lui, il est plus grand. Oui. Petit grain. Un peu pareil pour la porte. On dirait que ça monte. Ça devrait juste un petit peu descendre ou être parallèle au toit. Parallèle au toit. Ici, donc, remonter un petit peu le bas. Et ça va, parce qu'après, le bas, bon, c'est pas plat, là, c'est de... Ça change. Donc, c'est peut-être juste la fenêtre et la porte qui font un petit peu remarquer un problème de perspective, mais le traitement est beau, tu sais, c'est... Ça, c'est inventé. Ça, c'est d'après photo que j'ai prise. D'après photo, ok. Photo personnelle, ben oui, c'est bien. Non, mais c'est bon, les couleurs, alors, on parlait, donc, justement, samedi passé, de la saturation des couleurs. Dans les avant-plans, les couleurs peuvent être très saturées, les bleus très bleus, les oranges, tout ça. Si on prend l'herbage, la terre ici, c'est orangé, c'est saturé. On s'éloigne et là, on devient moins saturé, c'est-à-dire que l'orange il devient un petit peu plus grisâtre, verdâtre. C'est bon, c'est très bien. Le portrait, voilà, donc on a vu nature morte, on a vu paysage, il y a du portrait, c'est super. C'est qui? Mon fils. Ah oui. Et oui. Petit garçon. D'après une photo personnelle, eh oui, ben c'est bien. On va dire original au niveau du cadrage, tout ça, que c'est un tronc d'arbre, ça, oui, qui coupe le visage en deux. Ben oui, oui. Tu sais, ça change d'avoir toujours une face complète. Des beaux flous en arrière. Tout ce qu'on a vu, c'est qu'à l'huile, hein, tout le temps qu'à l'huile. Hein. C'est bon, c'est super. Mon plus gros défi, quand même. Ben oui. C'est ça, le portrait, c'est difficile. C'est très difficile au niveau du dessin, des proportions. Mais c'est bon, beau travail. Des oliviers. Oui, et ça, c'est pareil. C'est d'après une photo que j'ai prise un jour en se baladant. Oui. Et après, c'était pas tout à fait comme ça. Il y avait un muret de pierre. Et j'arrivais juste à hauteur, en fait. Ouais. Et j'ai pris la photo comme ça. Donc après, il a fallu que je joue un peu avec les hauteurs. Mais c'était oui, c'est d'après une photo. Super. J'ai reconnu que c'est des oliviers. Déjà, hein, c'est, ça veut dire que c'est bon. Hein. La couleur, c'est la couleur, la forme des troncs, la forme des feuillages. Oui, c'est merveilleux. Ben oui, c'est beau, c'est très beau. Moi, j'aime ça, un beau traitement, un petit peu impressionniste. Hein,
C'est parce que quand on veut faire trop réaliste, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'aime pas ça. Et puis, c'est difficile après. Oui, moi, j'aime pas le réalisme non plus. Je préfère quand c'est impressionniste parce que voilà. Ça donne l'impression de. Puis, il y a beaucoup de suggestions. On fait de la suggestion, on suggère que c'est ça. Puis, c'est l'œil de la personne qui regarde le tableau après qui va voir les choses telles qu'on lui montre, mais aussi telles qu'elle veut les voir en fonction de son vécu ou. C'est ça, c'est super. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Alors, merci beaucoup, Michel, de nous avoir partagé tout ça. Hein. On est super contents d'avoir vu autant de choses. Et ça nous permet ben, de, aussi de nous situer. Oui. Hein, nous autres, tout le monde, tous les membres, les abonnés de la chaîne YouTube qui voient ces choses-là vont pouvoir se situer un petit peu autant au niveau du matériel. On a vu des gens qui étaient super bien installés, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, il y en a qui vont se dire, ah, ben, finalement... On se reconnaît. Je suis elle aussi, comme moi, voilà, et dans les tableaux qu'on fait aussi, c'est ça, c'est bien. Ça permet d'élargir la vision de la peinture et non pas d'être toujours avec juste voir ce que fait René Milon, qui a sa méthode, sa façon et tout ça. Donc, merci beaucoup, merci infiniment. Puis, merci à vous d'être venu. Merci. On se retrouve donc ben, de l'autre côté de la caméra. Voilà. Samedi. OK. Bye-bye. Bye-bye. Et voilà, nous sommes arrivés donc maintenant chez Roger. Bonjour, Roger. Bonjour. Bonjour. Linda. Chez Roger et Monique. Hein, Monique qui nous a accueillis. Donc, pour, ben on va parler dans des... on va voir un petit peu les tableaux. On va voir... on va parler de peinture, hein, comme d'habitude. Et puis, On est où ? On est où ici ? À Cabane. À Cabane. Et elle dit tantôt, à Cabane, non ? Cabane. Donc, on est dans les Bouches-du-Rhône, à côté d'Avignon, oui. Finalement, juste dans le côté de la Durance. Entre Avignon et Saint-Rémy, voilà. Ah oui, oui entre Avignon et Saint-Rémy. C'est tout dans la région, ça. Mmh. C'est une belle région, c'est inspirant. Il y a de la lavande aussi. Mmh. Belle lavande. Et puis, on en a ici, de la lavande. Ah oui. Hey. Ah ben, c'est ma période lavande et olivier. Lavande et olivier. J'ai dit, tant que tu n'arriveras pas à faire les oliviers comme tu veux, je ne peins que les oliviers. Mais ça fait depuis seulement un an? Un an et demi, ouais. Un an et demi, ouais. Deux, ouais, allez. Un an et demi. Oui, deux ans, mais... C'est souvent beaucoup l'hiver. L'été, bon là, voilà, l'été, il y a toujours du monde. Moi, il faut que je sois tranquille. Oui, oui, voilà. C'est le jour de Mistral, soirée l'hiver. Voilà, je suis là. Voilà. Souvent, je couche là. Et, ah oui. Ah ouais. Ah oui. Imprégné dans la peinture. Comme je suis un lévoto, autant à. L'autre fois, c'était 3h du matin, je peignais. Ah oui, oh mon Dieu. Voilà. Bon. J'avais ce morceau, là. Ça ne m'apaisait pas. Et bon, je me suis couché. Après, à 3h du matin, je me suis levé. Et j'ai dit, ouais, tu vas faire ça. Et quand je suis arrivé, ben, j'ai continué ça et ça. Et bon, parce que ça, au départ... Ça devait être un olivier, ça, au départ. Ah oui. C'est plutôt un platane, maintenant. Ouais. Voilà. Bon, j'ai dit, tu ne le touches pas. Ouais. Et là, bon, mais après, je sais pas mettre, admettons, je pense que je vais faire des fleurs jaunes. Il faut que j'arrange encore au sein. J'ai mon cyprès à arranger. Et voilà, petit à petit, mais voilà, c'est... Oui, c'est ça. Effectivement, mais c'est parce que le problème, il est que si vous mettez ici des belles fleurs et tout ça, là, lui, il va disparaître à la derrière, on ne le verra plus. Ça peut être un petit peu problématique. Parce que c'est une composition. Ah oui, c'est moi qui l'ai fait, oui. Oui. Je veux dire, c'est inventé, pas d'après une photo. Non. Il peut y avoir, dans ce genre de tableau, le problème où... il y a comme trop d'éléments qui font qu'on se demande c'est quoi le sujet principal ? Est-ce que c'est le Mont Ventoux ? Ou est-ce que c'est le Cabanon ? On se retrouve avec deux sujets qui se font un petit peu concurrence. Donc, si c'est le Mont Ventoux,
c'est bien. Lui, il a quasiment pas besoin d'être là, ou bien on peut vraiment l'effacer un peu, effectivement, on met vraiment bien de la végétation devant. Cet arbre, il va être caché, bien sûr. Ça, ici, ça prend peut-être trop d'espace aussi. Il faudra peut-être remettre des lavandes devant, ou, tu sais, le faire effacer, que toute cette partie-là s'efface un petit peu, pour qu'on garde le Ventoux comme sujet principal. D'un autre côté, si c'est le Ventoux, il est là, mais juste pour un décor, fait qu'on pourrait juste un petit peu atténuer légèrement le blanc qui est là, légèrement, parce qu'on sait qu'il est blanc, il est blanc. Mais il y a de la brume, on peut y mettre un peu de brume, un léger voile dessus, peut-être même diminuer ça qui est un peu gros. Et là, à ce moment-là, on met l'emphase sur le cabanon qui est le sujet principal. Avec à ce moment-là, un petit peu ce qui manquerait dans ce tableau-là, c'est savoir de quel côté vient la lumière. Il est où le soleil? À gauche ou à droite? Hein, s'il est à gauche, ce mur serait dans l'ombre et lui dans la lumière. On mettrait un peu d'ombre sur le côté droit ici. D'accord. Si le soleil est à droite, c'est dans la lumière, ça c'est dans l'ombre. On mettrait un petit peu d'ombre à gauche ici. Et l'arbre aussi, un peu plus d'ombre ici, on garde la lumière là. Et là, on met vraiment l'emphase là-dessus avec une lumière bien forte ici. Bien forte, oui. On adoucit tout ça ici. Et le problème, moi je me pose la question, cet avant-plan ici, de par sa forme, ça peut être problématique. Parce que regarde, on a ici, regardez bien, ça fait comme un rectangle. Tout ça ici. Hein. Ce rectangle, il est reproduit encore ici. Ça n'est pas un avant-plan, comment dire, qui va aider à donner de la profondeur, qui apporte quelque chose. C'est un petit peu problématique. Cet arbre est très intéressant. Fait que si on met beaucoup des fleurs ici, ça peut être problématique. Moi, ce que je ferai à ce moment-là, ces fleurs-là, ces choses-là, ces herbes, je le ferai partir peut-être plus haut ici, puis je le ferai descendre un petit peu comme ça, là. Au lieu de le garder bien carré, rectangulaire. Tu sais, je mènerai même ici en avant de l'arbre, un petit peu, là, comme ça, là. Et voilà, et puis on descend ici, hop, ça disparaît un petit peu ici, c'est bien. Puis déjà on verrait ce que ça donnerait comme ça. Fait que lui on le voit encore, il n'est pas tout à fait caché. Puis garder du vert ici ou de la terre, peu importe là. Hein, d'ailleurs, il me semble que les lavandes dans ces régions-là, il n'y a pas du gazon entre les rangs, c'est plus de la pierre. Hein. Alors, j'enlèverai un peu de vert dans ce tableau. J'en enlèverai un petit peu. Je garderai vraiment l'idée des lavandes bien bleues, voire mauves un peu. Je remettrai du blanc, de la terre, des couleurs terre ici, partout, là. Comment vous avez fait ça? Un peu comme la pierre qui est ici, là. Pareil ici, c'est ça. Donc, du vert, on pourrait en avoir ici. Peut-être des fleurs aussi, pourquoi pas, c'est bien. En fait, il va nous rester ça qui est bleuté. On retrouve un peu des couleurs de la lavande, du ciel, tout ça. L'arbre ici, un peu de vert, oui, ici, mais pas trop. Il y aurait intérêt, je pense, à aller chercher un peu plus l'harmonie colorée entre les bleus et les beiges, bleu et orange, que bleu, vert et très peu d'orange. Oui, je pense. Les lavandes, je comptais aussi les retravailler. Je oui, dire, bah oui c'est correct. Oui, oui. Ah ouais. Ah ouais. C'est bon pour ce tableau, on a beaucoup parlé là-dessus, c'est intéressant. Ça, c'est de l'acrylique, hein, parce qu'on n'a pas parlé du médium, du matériel. Ouais. C'est de l'acrylique, ça. L'acrylique. Ouais. Et vous peignez qu'à l'acrylique? Pour le moment, oui, à part ce que de vos... Voilà, de vos cours. Quand vous faites à l'huile, je fais à l'huile, voilà. Ah, ok. Voilà. Donc, ce qui est fait dans les cours en acrylique, vous le faites à l'acrylique, et ce que je fais à l'huile, vous le faites à l'huile aussi. Ouais. Donc, vous êtes équipé en double, alors? Ben, disons que, voilà, j'ai mon huile là. Là, j'ai mes... Attendez, ok. Le frambourgeois. Voilà, c'est okay, beaucoup de gris de peigne, ok, oui, oui. Oui, c'est... Oui. Ça, je sais pas d'où ça sort. Georgian, tout ça, là. Ok. Ça, c'est quoi? Georgian. Georgian, oui, c'est ça. C'est des peintures à l'huile normale, ça, oui. Et ça, elle est où, l'artisan? C'est ça, on va regarder, on va vérifier ça. Artisan, voilà. Water mixer, peinture à l'huile soluble à l'eau. Ah ouais. Mais c'est correct, on peut les mélanger. Il n'y a pas de problème, oui. Mais quelqu'un qui voudrait... Ça, vous voyez ça, quand j'ai acheté ça, j'ai pas fait attention. Quelqu'un qui veut peindre à l'huile sans utiliser d'huile de lin, de solvant, parce que, mettons, il est allergique aux vapeurs, tout ça, là, il va pouvoir utiliser ces peintures-là et utiliser de l'eau pour laver les pinceaux, de l'eau pour diluer la peinture aussi. Et ça a le même rendu. Ça a le même rendu qu'une peinture à l'huile, c'est pareil. Ah ouais.
Oui, mais on peut la mélanger aussi avec des huiles normales. Il n'y a pas de problème. D'accord. Avec des produits, du solvant, de l'huile de lin, tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Et c'est plus cher. Eh oui. Hein? Je pense qu'elle est un petit peu plus chère, oui. Vois, mais c'est une peinture fine. Hein. Alors, la manière de stocker les tubes aussi, il faut faire attention parce que... Il se perd, ça. Oui, c'est ça. D'accord. C'est très agressif. Ouais. Un coin comme ça, ça pourrait faire des trous dans les, dans les tubes. Alors, il faut les... Faut les poser avec délicatesse. Et là, oui, puis ça fait quand même beaucoup, hein, oui, beaucoup d'acrylique aussi, de la Golden, de la Heavy Body Liquitex. Et là, des fois, je fais souvent mes premières couches avec là, c'est là. Et voilà, quand je fais mes premières couches, je tape le lin. Ok. Là, c'est la peinture acrylique gamme étude. Là, ça, c'est une machine que je compte faire un de ces jours. Et voilà, j'ai un peu... Ok. Voilà. De la Amsterdam, oui, c'est bien, ouais, ouais. De la PBO aussi, PBO Studio. Oh, oui, un jour, qu'est-ce que vous en pensez? Un jour, je vous dis ça, cette peinture. Ok. Rives, c'est des produits de gamme étude. De gamme d'accord. Ça, c'est de la peinture acrylique. Ils font aussi des pastels à l'huile. Ils font beaucoup de produits de... pour l'art, et c'est ça, c'est des gammes études, c'est bon. Tant qu'on ne souffre pas, mettons, de la transparence de la peinture lorsqu'on fait des tableaux avec, il n'y a pas de problème. Il y a même des gens qui préfèrent utiliser des peintures comme ça, qui sont moins pigmentées pour peindre avec de la transparence. Mais souvent, comme moi qui peins à l'huile aussi, les gens qui peignent à l'huile vont préférer une peinture acrylique qui, on va dire qu'ils travaillent un peu comme l'huile, c'est-à-dire qu'ils sont plus opaques, plus pâteuses, moins liquides et moins transparentes. À ce moment-là, les hautes viscosités, Liquitex ou la Golden se prêtent mieux, si ça ressemble plus. C'est vrai qu'on voit la différence. Et oui. Moi, je regarde, je vous dis, je fais la première recouche à métaux. Voilà, c'est ça. Avec ça, et après, je passe à la Golden. Et voilà, et voilà. C'est l'idéal. Franchement, c'est bien. À ce moment-là, oui, il y a des. C'est une très bonne peinture pour faire nos premières couches. Il n'y a pas de problème. Ben, oui. Je vois de la Basic ici, Liquitex Basic. Ça, c'est du noir de Mars. Peut-être que celle-là, parce que c'est du noir de Mars, ça sera pas trop transparente, mais si on s'en va sur Liquitex Basic, un rouge, un jaune, là, c'est terriblement transparent. Ouais. Ouais, ouais. Si on a besoin de faire des glacis, c'est super. Si on veut que ce soit opaque et couvrir, ça marche plus, il faut passer à une autre marque. Ouais. Ouais. On va voir les autres choses, les autres tableaux, t'es, Ben, j'en ai... Oh, ça, c'est le début, ça. Ah oui? Ouais. Mais c'est bon, c'est, pourquoi pas, on peut le montrer. Ben, oui, pas de souci, c'est des montagnes, on dirait des gâteaux. On peut le laisser, non. Ah ouais. Oui, bon, je serai derrière. Ah ben voilà. Des gâteaux, mais oui, mais... Ouais. Ben, veux pas, c'est quand même beau, il y a une belle composition. Bon, c'est sûr, bon, à ce moment-là, on pourrait atténuer un petit peu la forme des montagnes et leur couleur aussi, parce qu'on a quasiment l'impression que c'est de la neige. Alors que il y a des tournesols en fleurs, là, c'est ça, pourrait... Non, mais... pardon. C'est beau, hein. Je suis toujours à temps de le reprendre. Ben oui. Maintenant que, vous voyez, je reprendrai. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, ce trait qui met, ça met, ça fait trop. Ça découpe trop. Eh oui. Regarde bien. Si les montagnes, on mettait un petit glacis bleuté dessus. On les oublierait un peu, elles reculeraient un peu, ça serait plus de la neige, ça serait de la végétation au loin, peu importe. Ils viennent de reculer et de perdre de leur importance, et nous attirons moins l'attention. Après ça, effectivement, c'est ça, juste fondre un peu la jonction entre les fleurs du premier plan et là-bas au fond. Puis voilà, on va se retrouver avec une meilleure harmonie colorée encore, parce que là, il y a beaucoup de rouge, de rose là-dedans. Puis on se retrouve avec des bleus, des roses, des verts, des jaunes. Hein? Si on enlève le rose, le rouge qu'il y a dans la montagne, on va se retrouver avec des bleus, des verts, des jaunes, des oranges. Là, et on vient de diminuer le nombre de couleurs pour augmenter l'harmonie colorée. Je pense ça, c'est toujours, moi, les conseils que je donne, c'est toujours des conseils assez personnels. C'est comment je le verrais si moi je devais faire ce tableau-là.
Maintenant, d'autres personnes pourraient dire, non, moi, je préfère... Moi, j'aurais rajouté peut-être un peu plus de rouge ici aussi, ailleurs, tu sais, c'est... Mais c'est parce que ça va faire peut-être un peu trop de couleur aussi, selon moi. Ah, mais moi, je le voyais, voilà. La montagne. Mais bon, comme c'était le premier, j'ai dit, c'est le premier. Ben oui. C'est un des premiers, disons. Mais je vais le retravailler. Parce que je vois un petit peu des mauves ici, des iris... Et dans les ombres, c'est super. Moi, je les trouve très bien, ces mauves-là. Mais ils seraient juste ici, un petit peu en avant. C'est beau, c'est très beau. Moi, pour un premier tableau, c'est merveilleux. Hein. Et la perspective droite, c'est pas gênant? Non, ça va. Non, le chemin, il va bien. Là. Non, non. C'est pas trop droit. Hein. Ça finit en courbe là-bas. Là. Ça va, c'est bon. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est la rivière Waro au camping Shamrock. Hein, on reconnaît, vraiment, on reconnaît, si on reconnaît, c'est que c'est bon, c'est pas mal réussi. Oui, c'est bien. C'est que le début. Oui, ben, il n'est pas fini. Ah, c'est loin. Oui, j'ai juste fait... Je ne sais pas si le voit que c'est pas fini. Oui. Ça paraît, mais je veux dire, il est très bien parti, là, c'est super. Moi, c'est un plaisir, ça. Enfin, ah oui, hein. Pour moi, c'est un plaisir. C'est... Celui-là est à l'huile, alors. Oui. Oui. Ouais, oui. Ouais. Ouais. Mmh. Parce que le cours, il est à l'huile. Ouais. Ben oui, c'est franchement, déjà, les sapins à droite, ils sont vraiment très réussis. Hein. C'est mieux que mes sapins de Noël. Oui. Celui-là, il faut que je recommence un peu à peindre, mettons, un tableau à l'huile. Je ne veux pas le rater, celui-là. Je vais le mettre le temps qu'il faut, mais voilà. C'est ça, ben oui. Alors, ouais, je ne suis pas pressé, moi. Il y a des tableaux, moi, personnellement, sur lesquels je sais que je vais aller très vite. Et puis d'autres sur lesquels je sais que je vais prendre plus du temps aussi. Mmh. Et lorsqu'on dit on va peindre réaliste, ça c'est le paysage, je pense que le titre c'est paysage hyper réaliste, ouais, je pense. Ça a pris du temps, beaucoup de temps. D'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos pour celui-là, beaucoup d'étapes, et c'est tout à fait normal. Hein. Puis c'est bien que de varier comme ça les styles. Mmh. Ah ouais, bonjour. Il faut varier aussi le plaisir, parce que si je faisais que des tableaux qui prennent beaucoup de temps, je m'ennuierais à un moment donné. Il faut passer de l'un à l'autre. Mais moi aussi, je trouve que je peins assez vite. Je veux dire, dans la... Je sais pas. Admettons, ça, je l'ai fait... Bon, il a sûrement des défauts, mais je l'ai fait dans la journée. Ah oui, c'est bien. Hein, ouais. Je veux dire, je calcule pas trop. C'est ça, ça c'est la... La chaumière. Mmh. Ça, c'est à l'acrylique. Ouais. Ah oui, il est bien. Hein. Une seule journée, c'est bon. Ah oui, non, voilà. Et voilà, puis c'est ce qui est, ça lui donne un certain style avec une certaine fraîcheur. Hein, il y a une... Mais après moi, je m'aperçois, mettons, qu'il manque peut-être des lumières sur les arbres, vous voyez. Après, je revois des choses que... Mais... Ça ne dérange pas, ça. Même s'il est signé, on peut avoir rajouté des touches. Ouais. Je me dis, tu l'as signé, tu ne touches plus. Non, voilà. C'est ça. Et on peut se dire, bon, ben, voilà, c'est de l'acrylique, quelques touches, ça y est, c'est fait. Hein, très bien, oui. Ah oui, c'est bon, c'est super. Moi, j'aime ça. Hein. Oui, la spontanéité qu'il y a dans un tableau comme ça. J'ai une autre question. Oui. Les lavandes de devant. Oui, les lavandes, oui. Il ne faut pas quelque chose qui... Non. Voilà. Non ? Je dirais non, parce que les lavandes sont en avant pour donner la profondeur. C'est un premier plan. Même, je dirais peut-être que les zones foncées dans la lavande, qui est en premier plan, pourraient être plus foncées que ça. D'accord. Mais l'éclat de lumière, il est sur les personnages. Par exemple, le t-shirt dans le dos de la madame, le chapeau du monsieur, c'est ça. Ce sont des éclats qu'il faut qu'ils gardent leur importance. Alors, si on mettait trop d'éclats dans la lavande en avant, ça viendrait leur faire une concurrence. Tout simplement. Donc, la lavande, elle est bien. Sauf que pour donner plus de profondeur dans les lavandes qui sont en avant, il faudrait foncer les ombres, des trous, faire des creux plus foncés. Voilà. C'est tout. Surtout en avant. Ouais. C'est tout. Juste ça. Parce que si on regarde le foncé qu'il y a dans la brouette, qui est très foncé, on devrait retrouver du foncé aussi foncé dans les brins de lavande de l'avant-plan. Voilà, et ça créerait un peu plus de profondeur dans les premières lavandes. Ouais. Mais voilà, c'est tout, ça n'enlèverait pas l'importance au personnage. Ouais.
Eh oui. Je reconnais aussi le paysage d'hiver. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Saint-Bruno. Non, ça c'est à Boucherville. C'est la maison Louis-Hippolyte Lafontaine. Ce cours-là, il était sur. Je me souviens plus sur la texture de la neige, il me semble. Oui, la couleur. Hein, pour faire ressortir la texture de la neige avec l'ombre et la lumière, c'est ça, ouais, ouais. Et puis on voit bien les bleus dans la neige qui donnent beaucoup de force aux ombres aussi. Ouais, c'est bien. Alors on voit un, deux, trois paysages d'hiver. Ah, ça c'est le beau-frère. Comme il habite à Embrun, il me dit paye-moi la montagne, la montagne. Ah, et c'est pour ça que je vais y faire la montagne de nuit. Ok. Là, je vais. Ah, ouais, ouais. La montagne, la montagne. Oui. Ah non, mais c'est beau la montagne et la neige, ah, c'est sûr. Faut, oui, oui. Embrun, c'est pas loin de la ça station dit, Les Ors. Voilà. En voilà. Bas des Ors, hein, ah, c'est ça, oui, oui, ouais, je me souviens, oui, oui. Hum. Eh oui, c'est beau. Et j'aime beaucoup, beaucoup, si on peut le montrer, c'est le petit pêcheur, là. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est la luminosité, parce que c'est un tableau qui est, dans l'ensemble, très sombre. L'eau est sombre, toute la forêt là-haut est sombre. Et la luminosité de cet arbre, avec son reflet, le pêcheur, un petit peu de lumière, quelques-unes ici, il y a peu de quantité de lumière qui leur donne, ça leur donne beaucoup de force parce qu'il y a tout ce foncé ailleurs. Hein, c'est ça qui est beau. Ouais, ouais, ouais. Ce contraste, c'est, si on devait dire ce tableau, qu'est-ce que c'est qui me plaît le plus, ben, c'est sa luminosité. Et pourtant, dans l'ensemble, les couleurs sont foncées. Dans une des dernières vidéos, cette semaine, il y a quelqu'un qui pose la question. Comment apporter de la lumière dans un tableau, dans une peinture, à la manière de Thomas Kincaid? Thomas Kincaid, vous le connaissez? Non. On l'appelle le peintre des lumières. On le voit beaucoup sur des calendriers, sur des puzzles, des boîtes de chocolat. C'est un peintre qui a fait des tableaux qui sont beaucoup repris justement pour des boîtes de chocolat, pour Noël, tout ça, parce que c'est beaucoup des paysages... de nuit avec des maisons, la fenêtre, la lumière qui ressort par la fenêtre, qui éclaire le paysage à l'extérieur, tout ça. Thomas Kincaid. Je montrerai peut-être au montage quelques tableaux de lui rapidement parce qu'on n'a pas les droits d'auteur, mais lui, il les diffuse, tu sais, on peut montrer. Ça, il fera de la pub. On appelle le peintre des lumières. Et bien ça, ça me fait penser un peu à ça. Le traitement, il serait un petit peu de la même manière pour faire ressortir la lumière. Et donc, la personne qui posait la question, ben, la réponse, elle serait ici. Encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, c'est mettre du foncé. Ouais, pour faire ressortir. Très foncé, en grande quantité, et des petites lumières qui vont devenir très puissantes et très fortes en contraste de ces foncés-là. Ça, c'est un des premiers aussi. Un des premiers, oui. Voilà. En acrylique. Oui, oui, oui. Ah ouais, bah ouais, c'est original, c'est du contemporain quasiment, hein, c'est ouais. Ça, c'est très c'est beau. C'est un dépôt, oui. Bah oui, mais, tu sais, on peut avoir fait, sans s'en rendre compte des fois, des très beaux tableaux au début, hein. Non, mais... Et puis après ça, on peut avoir un peu plus d'expérience, et puis se dire, bon, celui-là, je vais le réussir, puis il est moins bien, ça peut arriver aussi. Que ce soit du début jusqu'à la fin, quand on peint, on a des tableaux qu'on réussit mieux que d'autres. Ouais. Il y a aussi des tableaux qu'on aime mieux que d'autres. Mmh. Et ce qu'on aime, nous, ne sont pas forcément ce que les autres aiment, et inversement. Hein? Mmh. Linda, elle aime des tableaux que j'ai faits que moi, je n'aime pas trop. Mmh. Inversement, moi, il y a des tableaux que j'aime bien, que Linda me dit non, ce n'est pas mon préféré. Ben, les goûts, les couleurs. Hein. Et voilà, c'est ça. Le style aussi. Ah oui, c'est super. Moi, je reconnais encore ici, ça, là. Oui, c'est bon. Les tableaux de mes cours, ça c'était, je ne me rappelle plus, oui, on commençait avec la couleur complémentaire. La première couche de ce tableau-là était en couleur complémentaire, d'ailleurs je le vois encore. Ah ouais, tout en rouge, hein. Oui, c'est ça, voilà. Les feuillages sont rouges. Ouais. Hein? Ici, ça devait être jaune ou orangé. Mmh. Et puis après, la deuxième couche, on venait avec les vraies couleurs cette fois-ci. C'est un exercice intéressant, mais ça faisait un peu vibrer les couleurs. Mmh. C'est fou comme en visitant comme ça, en venant vous visiter, on voit d'une visite à l'autre des tableaux différents, des choix différents, des tableaux, des peintures dans les cours aussi. Hein. Et c'est toujours une belle découverte. Bravo. Félicitations. Moi, j'aime beaucoup ça. Et puis,
On a vu le matériel un petit peu, la fameuse palette. Ah ouais. Palette humide. Mmh. Celle de Masterson, hein. Celle-là, elle a été achetée ici. Non, mais je commande tout par. Sur Internet. Ah ouais, mais nous on trouve rien. Ok, mais est-ce que c'est sur Amazon.fr? Ouais, ouais, ouais. Ça vient de France? Je crois pas. Non, hein. Je crois pas. Parce que ici, je ne trouve pas. Il n'y a pas ça. À Cultura, tout ça. Non, hein. Grande palette. Même votre grande palette pour faire l'huile. Oui, la palette grise, là. Ouais. Oui. Eh bien, vous ne trouvez pas ça, non? Je trouve rien ici. Je trouve rien. Jeanne des Beaux-Arts, non? Non, je trouve rien. Ah non, ah, oui. Ah non, mais Jeanne des Beaux-Arts, c'est par Internet. Oui, sur Internet. Voilà, oui, peut-être, oui, oui. Mais dans les magasins. Ah, quand on y va, voilà, non. Ah, non, okay. Voilà. Pourtant, c'est une machine d'artiste, je veux dire. Oui, 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 machine d'artiste. Ouais, ouais. Non, non. Il n'y a que des petites palettes comme ça, en plastique. Ici, qu'est-ce que vous avez comme magasin ici pour, si on veut acheter du matériel d'artiste, pas loin? Cultura. Cultura, c'est où? À Avignon? Au Ponté. Ah oui, au Ponté. Voilà, okay. Ouais. Prenez l'autoroute, l'entrée de l'autoroute. Oui, oui, oui. Quand vous sortez, vous y êtes. Ah, ok. Voilà, au champ nord, là-bas. Voilà. Ok. Et puis comment vous trouvez ça, cette palette? C'est très bien. L'utilisation. Ah, oui, je prends que ça, moi. Bah, vous voyez, quand j'ai fait ça, ben, je l'ai fait là-dessus. C'est chaud de suite. Hein. C'est une palette normale, celle de suite. C'est chaud de suite. Ah ouais, c'est pratique. Moi, j'adore ça aussi. Pour l'acrylique, là. Ah ouais. Même si je ne m'en sers que dans la même journée, je garde pas ça plusieurs jours. Ben, juste pour le confort de la peinture. Ah ouais. Sur la séance, même si elle dure 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est toujours frais, c'est super. Ouais. Moi aussi, je change souvent de la feuille dedans. Oui, merveilleux. Maintenant, il me reste à aller dehors. Peindre sur le motif. Peindre dehors. En plein air. Et voilà. À l'huile. Et voilà. Ça fait peur, hein? Peur de... Oui et non, je veux dire. C'est bien connu. Il faut se lancer, c'est tout. C'est une belle expérience. C'est tout. Oui, il faut se lancer. Alors voilà, c'est ça. Pour ne pas avoir peur, ben, on prend un petit tableau, puis on se dit, je fais un exercice. Voilà. Hein? Ouais. C'est ça. Hein? Et puis, c'est un exercice qui est vraiment enrichissant. Mmh. Énormément. Il ne faut pas l'oublier, que je le dis tout le temps, c'est la meilleure école de peinture, c'est de peindre sur le vif. Mmh. Et pourquoi pas, à ce moment-là, s'entraîner avant d'aller dehors, peindre ici, en se disant, si j'étais dehors. Admettons, je prends une photo, là, je me la mets là, et il me dira, ah, là, je suis dehors, puis j'ai que 3 heures pour faire le tableau. Parce qu'après, je m'en vais. Ah, ouais. Donc, on pourrait faire utiliser cette expérience-là, cette méthode-là, d'après photo, et se dire, bon, ben, dans 3 heures, je m'en vais parce que la lumière aura changé, j'ai plus le temps, donc j'ai 3 heures pour faire le tableau. Pas un tableau, une pochade. Ouais. Tu sais, pour faire un exercice. Mmh. Et c'est là où ça nous enrichit beaucoup, parce qu'on est capable d'aller chercher l'essentiel, la composition, les valeurs, les couleurs, tout ça, mais pas les détails. Et puis, ce n'est pas le plus important, les détails. Non, il faudrait, je pense, faire ces exercices-là. Il faudrait le faire, ça serait l'idéal. Si on ne se sent pas d'aller dehors, il faudrait essayer au moins de le faire ici. Puis après, pourquoi pas, sur le motif, une nature morte. Pareil, je me dis, ah, j'ai 2 heures, 3 heures... Une heure, pas plus qu'une heure, je fais ça. Alors, un pot avec des pinceaux, ça serait ma nature morte. Comme je l'ai sous mes yeux, je le peins. Je prends un petit tableau et je m'amuse. Ouais. Je ne fais pas le fond, je ne fais pas ce qui est en arrière, juste le sujet. Ouais. Ah ouais. Des beaux exercices, c'est comme ça qu'on progresse beaucoup, hein, qu'on devient rapidement meilleur. Là, ça fait, comme il dit, 2 ans que vous peignez, mais seulement l'hiver. Beaucoup. Admettons, trois quarts du temps l'hiver. Voilà, ça fait quoi? Il fait pas beau dehors, voilà. Admettons, vous peignez quoi, 4 mois par année, ça fait un an quasiment même. Hein. On dit 2 ans, 4 mois par année, ça fait même pas un an pour quelqu'un qui peindrait tout le temps. Ouais. Ça fait quand même un niveau, je dirais, d'expérience de débutant. Mais si on regarde ce que vous avez fait, c'est pas si débutant que ça, c'est beau. Il y a vraiment une belle progression là-dedans qui... Ouais. Oui, non, c'est bien, moi je trouve ça bien. Il y a, dans vos tableaux, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'hésitation trop. Souvent, les débutants vont hésiter beaucoup, puis on va voir qu'ils vont, tu sais, comme on dit, beaucoup peindre, frotter, surpeindre les tableaux, et on va perdre la spontanéité, les couleurs se mélangent trop, tout ça. Puis ça, moi sur vos tableaux, je ne le vois pas trop.
et une bonne maîtrise pour le début où vous êtes rendu, je trouve ça bien. Ben voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour de tout ça, et puis encore merci infiniment de nous avoir reçus dans votre beau studio. Bel atelier de peinture. Et puis une petite, ben, c'est une pièce de la maison, c'est une chambre. Ah ouais, petit à petit je transforme doucement. Il y en a qui ont la chance d'avoir une pièce pour faire de la peinture, il y en a qui n'ont pas de chance. Moi. Eh oui, ben Linda, elle fait ça dans la cuisine, hein. Obligé, mais c'est moi qui prends toute la place. Hein. Non, mais c'est ça. Alors on a vu des personnes qui peignaient dans leur salle à dîner, dans leur salle à manger, dans leur salon. Hein. Toutes les places sont bonnes. Dans une salle de lavage aussi, une buanderie, tout est bon, oui, tout est bien. À partir du moment où on se sent bien dans cet espace-là pour faire de la peinture, et puis en fonction de ce qu'on a pour le faire, et puis voilà. C'est comme moi aussi, à un moment donné, moi j'ai peint dans ma chambre aussi. Ouais. J'ai peint dans ma chambre, j'ai peint dans mon salon. Il se levait la nuit, lui aussi, pour peindre. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai fait pareil. Ouais. Ouais. Puis moi aussi. Je suis votre chemin. Ouais. Je me couchais le soir, je peins, je me dis, bon, là, il faut que j'arrête, je vais me coucher. Je me couche, et puis après, là, à un moment donné, je me dis, ah non, ça y est, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je rallumais, je me relevais, puis je continuais le tableau. L'idée m'était venue, l'inspiration de l'artiste, le maître. Alors, merci beaucoup et merci infiniment, Roger, de nous avoir reçus dans votre atelier. Puis, on va continuer pour suivre notre route des visites des membres. Mm-hmm. Et puis, voilà, donc, on va se retrouver... De l'autre côté. Ben oui, de l'autre côté de la caméra. Ben, c'est bien, hein, on a traversé la caméra pour venir vous voir. Ah, très gentil. Et puis, on va venir vous voir, vous aussi. Ah oui. Alors, à très bientôt. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Hey, c'était du beau, hein? C'était, franchement... alors, encore une fois, à Michel, puis Roger, puis... Merci infiniment de votre partage. Franchement, on a appris beaucoup de choses encore. On a vu des choses qu'on n'avait pas encore vues. On a parlé de choses dont on n'avait pas encore parlé. Puis c'est ça, le partage, c'est une richesse pour tout le monde. C'est vraiment... merveilleux. Puis c'est pour dire aussi que, comme Michel, elle, son petit coin, c'était dans la cuisine. C'est correct. Dans la salle à dîner. Oui, salle à dîner, oui. C'est pas pareil. Mais c'est pour dire qu'on a chacun notre petit coin. Puis si vous êtes heureux dans ce petit coin-là, à peindre, c'est bien. Comme moi, dans le petit coin de ma cuisine. Et oui, toi aussi, ben c'est ça. Il faut que tu sortes tout pour t'installer pour peindre. Et puis tu ranges tout après pour que ta cuisine soit belle tout le temps. C'est bien, c'est super. Ouais. Chacun sa méthode. Hein. Mais il va falloir agrandir la maison, chérie. Oui, mais non. On trouvera un endroit, t'inquiète pas. On changera de maison. J'ai pas ouais, de maison. On va changer de maison. Tiens, on va aller à Chibougamau. Chibougamau. On sera un peu plus tranquille. Oh, tu penses? Voilà, donc mais merci aussi à Roger, merci infiniment, et puis la semaine prochaine, on va aller voir, comme on a dit, Bernard et Bianca, non, c'est pas ça. Non, ça c'est un film, ça, Bernard et Bianca. Dessin animé, oui. Non, c'est ça, on va aller voir Bernard et Patricia. Ah, mais c'est quasiment pareil, Patricia, Bianca. Puis on était très, très, très bien reçus par tout ce beau monde-là, puis on les remercie beaucoup, beaucoup. Oui. Puis c'est le fun, hein, parce que quand on arrive, ils sont en porte. Linda, René, nous on arrive à... On est attendu. Après. On est attendu comme des vedettes, alors que nous sommes de simples personnes comme vous. On est pareil que vous. Ben oui. Pour vous dire, je pense qu'on est, On est très heureux de vous retrouver, de vous revoir comme ça toutes les semaines, tous les samedis, Linda et moi. Non, oui. Autour d'une table, dans un parc, sur le banc d'un moulin. Ben oui. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Mercredi prochain, puis. Mercredi et samedi prochain.